Bonjour, est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui, c'est visible, docteur. Mais Merci c'est beaucoup. visible. C'est bon, docteur. J'espère que vous me voyez tous aussi. J'ai allumé ma caméra. Oui. Très bien. Oui, on voit, docteur Ribéry. On voit. Oui, Très bien. ça va, on voit. D'accord. Alors, avec l'autorisation de M. Hamann, nous allons commencer. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'apprenants qui sont en train de se connecter aussi. Je voulais commencer par vous souhaiter tous, disons, la bienvenue et bonne participation. Je voulais souligner aussi, j'espère, la présence de Rosalie, ma coéquipière, qui est déjà partie, avec qui j'ai travaillé ici, et qui doit être, Je je suis sais pas là, je moi. suis là. Bonjour Rosalie, très content Bonjour de te voir. Franck. Voilà, donc nous allons commencer le webinaire. L'objet, comme vous le savez, comme nous l'avons toujours fait, est de pouvoir non seulement échanger les informations sur les modules que les apprenants sont en train de suivre, mais également identifier les difficultés s'il y en a, les partager ensemble pour permettre justement d'y apporter de réponses, mais également partager un ensemble d'autres éléments susceptibles de pouvoir améliorer ce cours. Je sais que parmi tous ceux qui sont en train de suivre, il y a ceux qui ont déjà terminé ce cours, diplômés déjà aussi. Il y a ceux qui ont commencé ce cours, qui ont probablement déjà dépassé le module 1 de l'introduction que nous allons commencer. Il y a aussi ceux qui viennent de commencer les cours et qui vont commencer, disons, qui vont suivre également, qui sont en train de suivre ce module à l'heure actuelle, ou probablement ceux qui viennent de s'inscrire et qui vont commencer également les cours. Ce que nous voulons dire, c'est tout simplement le fait que personnellement, ayant été parmi la première cohorte qui a suivi donc cette formation en français, eh bien chaque fois que je relis mes notes, chaque fois que je relis l'ensemble de la documentation que j'ai pu réunir, eh bien je continue toujours à apprendre tous les jours. Donc, ce que nous allons faire, c'est justement voilà, commencer notre cours et nous vous demandons de pouvoir veiller à ce que vos micros soient éteints, mais également les vidéos, parce que vous savez que quand on ouvre les vidéos, également la connexion Internet se ralentit. Si pendant que nous sommes en train de parcourir le cours, vous avez des questions que vous voulez poser, vous pouvez utiliser le chat, vous posez la question ou les questions dans le chat à tout moment, étant donné que lorsqu'on le roule, il est possible que quelque chose vous vienne à l'esprit. Vous pouvez déjà écrire de manière à ce qu'à la fin, nous puissions être en mesure de pouvoir, tout le monde puisse voir les questions et pouvoir y répondre. Lorsque nous passerons à l'étape où il faut répondre aux questions, eh bien, vous aurez aussi la possibilité d'élever la main, soit pour intervenir, donner des informations, répondre à la question ou aux questions éventuelles, donner une information supplémentaire. Autrement dit, ici, mon rôle est de pouvoir faciliter ces échanges sans nécessairement avoir toutes les réponses à toutes les questions. Donc,
avec les expériences que nous avons dans notre travail de tous les jours sur la chaîne d'approvisionnement, je reste convaincu que chacun de nous a des réponses pour des questions qui pourront être posées. Je voudrais aussi souligner que lorsqu'on vous demande donc de prendre la parole, eh bien, vous allez réactiver votre micro, vous allumerez également la caméra pour que nous puissions voir, vous voir, ça fait toujours plaisir, et vous prendrez la parole pour pouvoir justement échanger avec l'ensemble de participants. Je voulais aussi vous dire que les enregistrements seront faits à la fin et seront partagés comme d'habitude dans le système. Les diapositives également seront partagées à tous les participants, bien entendu, après le webinaire ou après la participation que nous aurons à faire. Dans le plan, vous allez voir que nous allons dérouler, même si la méthodologie ne sera pas la même, c'est que nous ferons un passage rapide sur le module 1 avec les objectifs que nous poursuivons, bien sûr. Nous allons voir quels sont les points clés sur le module 1. Vous savez, c'est un module avec 7 chapitres. Nous avons pu travailler pour pouvoir prendre les points essentiels et les résumer en quelques diapositives. Cela veut dire que beaucoup d'informations, bien sûr, restent dans le déroulé du cours. Donc, nous aurons ensuite à recueillir les difficultés que vous avez rencontrées, les attentes ou les suggestions pour pouvoir améliorer tout ce cours. Et ensuite, nous terminons par une conclusion. Maintenant, dans le déroulé, nous passerons, compte tenu du temps que nous a imparti, nous passerons d'abord le cours en revue. Nous avions prévu de passer par ces étapes, mais cette méthodologie, nous nous sommes rendus compte que ça allait nous prendre beaucoup plus de temps que prévu, étant donné que le temps de discussion ou des questions généralement dépasse la planification telle que prévue. Donc, nous aurons une plage où nous allons passer en revue le cours et ensuite nous aurons une partie où nous aurons à justement discuter, échanger des questions, des problèmes, des suggestions, des améliorations que nous pouvons faire pour le système. Je demande aux collègues d'assurer que les micros sont fermés. Voilà. Et Amen, vous allez aussi nous aider à pouvoir contrôler, vous assurer que tous les micros sont fermés pour éviter les interférences. Oui, alors, qui je suis? Merci. Qui je suis? Je suis donc Franck Biaï. Je suis pharmacien. Actuellement, j'assure, je suis le directeur du programme national d'approvisionnement médicaments basé à Kinshasa en République démocratique du Congo et conseiller senior pour Empower School of Health, c'est-à-dire accompagner les apprenants dans cette formation combien utile. J'ai une expérience de plus de 25 ans dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans mon propre pays. Nous aimons toujours dire le pays, il est tellement vaste qu'en fait c'est la RDC, mais en fait c'est tout un continent avec plusieurs pays. Donc, mais aussi, j'ai été plusieurs fois conseiller des ministres de santé en matière de médicaments, consultant national plusieurs fois pour toutes les grandes organisations connues, l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNFPA, tous les autres, l'Union européenne, ainsi de suite. Et également, j'ai déjà apporté des assistances techniques dans quelques pays africains, notamment le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Niger, la Centrafrique, ainsi que les autres, en dehors du travail que nous avons déjà réalisé chez nous. En RDC, comme point saillant, c'est que nous avons été à la base de la conception du système d'information en gestion logistique électronique, la construction de la plateforme
de la plateforme Informed RDC, qui est le système d'information utilisé actuellement par plus de 18 000 formations sanitaires, 519 zones de santé, ou appelées notamment dans notre pays district sanitaire, 26 provinces, et bien sûr, avec plus de environ 3 000 utilisateurs qui sont dans le système et qui nous donnent des résultats. Nous avons aussi mis en place un système, un processus de quantification avec approche ascendante, c'est-à-dire donner la responsabilité au niveau de la base à déterminer leurs besoins. Voilà. Donc, brièvement, voilà ce que je suis un tout petit peu. Maintenant, voilà le contenu du cours. Comme vous l'avez vu, ce cours est très important, extrêmement important. Lorsque je prends ma propre expérience de plusieurs années dans la chaîne d'approvisionnement, et en ayant suivi le cours, je peux vous dire que je me suis rendu compte que finalement, les connaissances, bien sûr, que j'avais avant le cours, j'avais l'impression que je connaissais beaucoup de choses, mais chaque fois que je suivais le cours, je me rendais compte que ce que je pensais avoir des connaissances d'environ 70% était en fait à 10% ou à 20%. Donc, c'est un cours très important. Et lorsqu'on se place dans le rôle de pouvoir voir quelle est la situation de son propre pays, là où on se trouve, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore des chantiers très importants pour pouvoir développer des chaînes d'approvisionnement efficaces, des chaînes d'approvisionnement résilientes et surtout des chaînes d'approvisionnement qui permettent à la population d'avoir leurs médicaments à tout moment quand ils en ont besoin. Donc, nous aurons pour le cours un bref aperçu. Nous verrons l'importance du médicament, quel est le rôle du personnel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les objectifs de santé publique et le concept de médicaments essentiels. Ce sont des terminologies que nous connaissons, que nous utilisons tous les jours. La gestion de médicaments, qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont les principaux défis en termes de gestion de produits pharmaceutiques, mais entendu comme étant chaîne d'approvisionnement? Nous verrons aussi les progrès et surtout les risques. Quels sont les risques qu'on peut identifier dans la chaîne d'approvisionnement? Je souligne que cette partie, c'est l'introduction qui est en fait de nous mettre tous sur les rails. Sur les rails, c'est le module qui va annoncer les matières justement que nous verrons pendant tous les cours. Je pense que beaucoup d'entre vous qui sont déjà entrés, qui ont déjà commencé les modules, ont commencé par le cours du PNUD. Et ce sont des orientations qui ont été données. Et lorsque vous avez parcouru les modules, l'ensemble des modules que le PNUD a présenté, vous avez en filigrane, en fait, le contenu de matière, comme vous le voyez, bien sûr. Ce cours a 9 modules, très importants, comme vous le voyez, et ces modules se suivent de manière progressive. Ils sont prévus, selon le rythme de chacun, pour un module pour un mois. Mais bien entendu, vous pouvez également les terminer en une semaine si vous y consacrez le temps qu'il faut. Très important aussi de souligner qu'au fur et à mesure que vous suivez le cours, il y a une recherche documentaire très importante qu'il faut faire. Cette recherche, au niveau du cours, on donne des ressources, mais il arrive de fois que certaines ressources, à travers les cours, les liens qui sont donnés, ne fonctionnent pas. Cela ne nous empêche pas de pouvoir prendre le lien et de rechercher ce cours à l'Internet, à travers notamment les moteurs de recherche tels que le Google. Donc, vous avez l'ensemble des modules qui sont là, et pour certains, certainement, certains sont au premier module, d'autres au deuxième module, ainsi de suite. Ce cours, il faut le parcourir et il est très bon, il est très intéressant, mais à la fin de ce cours, il faut changer les choses. Parce que vous constaterez que ce que nous faisons n'est pas encore à la hauteur des attentes. Et c'est ce qui explique que le problème de pouvoir atteindre les 6 bons qui sont attendus comme résultat de la chaîne d'approvisionnement, on n'arrive toujours pas à le faire, étant donné que nous n'avons pas encore construit de chaîne d'approvisionnement très résiliente. Excusez-moi, docteur. Juste une chose.
Est-ce que vous pouvez partager la présentation en plein écran? Parce que tous vos écrans est voyés. OK. Oui. D'accord. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, docteur. Voilà. Ça va maintenant? Je pense que c'est oui, bon. Oui, c'est bon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, lorsque nous regardons l'importance de médicaments, je reste convaincu et je sais que dans ce webinaire, nous avons beaucoup de pharmaciens, nous avons beaucoup de médecins à qui, je pense, on ne va pas expliquer l'importance des médicaments. Mais il faut quand même que nous puissions rappeler que les médicaments sont très importants, très, très importants pour prévenir, atténuer, guérir les maladies, réduire les morbidités et les mortalités. Nous savons tous, nous avons l'expérience de la survenue de la pathologie VIH depuis les années 80. Nous, à cette époque, nous étions à l'université. Eh bien, quand cette pathologie est survenue, à l'époque, tout celui qui attrapait était affecté, considérait qu'il est déjà parti. Plusieurs années plus tard, on constate que cette maladie est contrôlable. On constate que les antirétroviraux permettent à des personnes de mener une vie normale. De même pour la tuberculose, qui est une maladie qui est aisément soignée aujourd'hui, à condition d'avoir une chaîne d'approvisionnement fonctionnelle. Bien sûr, le paludisme, qui est une maladie de l'Afrique, elle est toujours là. Le paludisme, qui est une pathologie quasi permanente et pour laquelle, eh bien, des stratégies sont en place aujourd'hui, notamment pour la prévention à travers les moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais également les ACT qui soignent, qui sont très efficaces, permettant justement, surtout aux enfants de 0 à 5 ans, de pouvoir guérir. Donc, les médicaments ont une place importante. Les médicaments sauvent les vies et améliorent la qualité justement de la vie. L'accès aux médicaments, c'est une exigence fondamentale pour un système de santé et pour le bien-être de la population. Et vous le savez très bien, on dit souvent, lorsqu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins. Pour ceux qui ont fait la gestion de médicaments dans le temps, on parlait du trépied. Le trépied du système sanitaire constitué qui est représenté par un tabouret à trois pieds. Le premier pied, ce sont les infrastructures, les hôpitaux, les pharmacies, les centres de santé. Le deuxième pied, ce sont les ressources humaines, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les radiologues, tout ce personnel qui, autour du malade, permettent à chacun à ce malade de pouvoir recevoir les soins qu'il faut. Et le troisième pied, c'est les médicaments. On considère que ces trois pieds constituent le support par lequel un système de santé peut fonctionner. Mais nous sommes tous d'accord qu'on peut manquer les ressources humaines, on peut quand même avoir des soins élémentaires. On peut manquer l'infrastructure, on peut avoir les soins élémentaires. Mais lorsqu'on manque les médicaments, on n'a pas de soins. Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins. Raison pour laquelle le médicament a une place très importante à occuper et une place prépondérante permettant à ce que ces médicaments, plutôt que les patients puissent, comme nous l'avons dit, revenir avec une santé améliorée, parce qu'ils ont été soignés avec les médicaments qui sont disponibles. Malheureusement, comme nous le savons très bien, il n'y a pas pour le moment d'accès universel aux médicaments. Cet accès reste limité et tout le monde ne peut pas recevoir les médicaments. Il est possible donc d'améliorer cette situation. Et pour cela, il faut des hommes qui soient en mesure
de pouvoir mener des tâches exactement comme, je dirais, un peu des militaires au front qui vont en guerre. Parce qu'effectivement, les maladies, ce sont des ennemis. Et nous, nous sommes des militaires. Et pour aller à la guerre contre les ennemis, contre les microbes, nous avons besoin de médicaments comme munitions. Lorsqu'on n'a pas de munitions, vous ne pouvez pas combattre. Il y a ainsi des défis à relever pour améliorer l'ensemble de la gestion de ces médicaments et des produits de santé. L'image qu'il faut prendre, c'est celle que nous venons de donner. Nous sommes vraiment comme des militaires au front qui ont besoin de médicaments pour pouvoir lutter contre les microbes ainsi que toutes les maladies qui surviennent. Ma présentation s'est arrêtée. Si deux minutes, je peux la faire passer. Aman, ma machine refuse de faire passer la présentation. Ok, ok. Vous voulez que je vous partage? Oui. Oui, vous pouvez prendre le relais à partir du chapitre 2. Ok, ok. Donnez-moi un instant, je vais partager. Ok, je m'enlève, voilà. Ok, ok. Pas grave. Ok. Je pense que ce match... Maintenant, oui, ça va. Alors, il y a 5 raisons qui montrent que les médicaments sont importants. Comme nous l'avons dit, les médicaments sauvent les vies et améliorent la santé. Ce sont des médicaments, en fait, qui donnent la confiance pour que les patients utilisent les services de santé. Bien sûr, les médicaments coûtent cher. Ils coûtent même très cher. Certains, aujourd'hui, sont inaccessibles. Ils se distinguent d'autres produits de consommation tels que les aliments. Ce n'est pas la même chose. Parce que les aliments, eh bien, chacun choisit. Vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Mais le médicament, en tant que patient, vous ne pouvez pas choisir. C'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Il est donc très important, étant donné que ces médicaments coûtent cher, il faut qu'ils soient utilisés de manière rationnelle afin qu'ils puissent donner des résultats. Les médicaments sauvent les vies s'ils sont bien utilisés. Je me rappelle d'un adage quand on était à l'université, un de nos professeurs qui nous disait toujours « Le médicament est un couteau à double tranchant. » D'un côté, c'est un remède, de l'autre côté, c'est du poison. Je crois que les pharmaciens qui sont en train de suivre ce cours le savent très bien. Le médicament, c'est du poison. Il peut être disponible, mais quand il est mal utilisé, eh bien, il vous cause encore plus de problèmes qu'au lieu de résoudre les problèmes. Il en ajoute d'autres. Amen, s'il vous plaît, le suivant. Aman, vous pouvez passer à l'autre. Aman, ça va? Vous pouvez passer? Ou bien je reprends l'écran? Oui, oui, je suis en train de... partager. Donnez-moi un instant, je vais juste chercher la présentation. Ok, moi j'ai coupé, hein, parce que je vois que j'ai quelques problèmes pour... Ouais. Ah. D'accord. Ok, donc en attendant, je peux continuer à vous occuper quand même. Donc c'est pour vous dire que les médicaments, même pour chacun d'entre nous,
est très important pour la vie et pour la vie des patients. Il est donc, voilà, on était au chapitre 3, voilà. Non, on remonte, voilà. On est où, docteur? Voyez le chapitre 3. Voilà. Un instant. Voilà, nous étions au... voilà. C'est. Ok, voilà, c'est bon. Donc, nous disions tout à l'heure que les médicaments sont très importants, ils sauvent les vies, ils coûtent très cher. Nous verrons d'ailleurs plus tard que ce n'est pas facile que chacun ait les médicaments parce que les moyens pour pouvoir acquérir sont toujours inférieurs aux besoins. Le problème, c'est que ces médicaments qui coûtent cher, ces médicaments qui sauvent les vies, ces médicaments qui améliorent la vie, qui améliorent l'hygiène de vie, ces médicaments, même lorsqu'ils sont disponibles, il y a des paramètres qui réduisent le bénéfice thérapeutique de produits. Quels sont ces paramètres? C'est le manque de sélection minutieuse. Vous allez voir plus tard, nous allons voir ensemble que, en fait, les médicaments, ce sont des dépenses. Il n'y a pas de médicaments gratuits. Chaque médicament est payé. Il n'y a aucun laboratoire qui fabrique de médicaments pour les donner gratuitement. Ces médicaments sont payés par quelqu'un, même si dans nos pays africains, nous recourons souvent aux bailleurs internationaux, mais ils payent ces médicaments. Quels sont les problèmes qui sont à la base de la réduction ou de la perte du bénéfice thérapeutique? La première raison, c'est le manque d'une sélection minutieuse. Nous avons dans nos pays, actuellement, nous sommes tous en suivant les recommandations de l'OMS à l'utilisation, l'élaboration et l'utilisation de la liste nationale des médicaments essentiels. Est-ce que nous sommes déjà posé la question vraiment si cette liste-là répond réellement aux besoins? Nous allons voir pourquoi. Deuxième raison, c'est des quantifications erronées. Les quantifications erronées qui font, par exemple, qu'on se retrouve avec des médicaments en quantité énorme alors qu'on n'en a pas besoin. Nous avons dit tout à l'heure que les médicaments coûtent cher, mais lorsqu'on commande, on fait une quantification pour commander des médicaments au-delà de besoin, eh bien, ce sont des péremptions qui attendent. Or, quand un médicament est périmé, il engendre énormément de coûts. Le premier coût, c'est le coût d'achat et de stockage qui a permis que le médicament soit là. Le deuxième coût, c'est le coût de destruction qu'il va demander parce qu'il n'y a pas de destruction gratuite. Le troisième coût, c'est que quand ce médicament périme, certainement que dans le même environnement ou ailleurs, quelqu'un en a besoin. Il est certainement en rupture de stock ailleurs. Et il y a un coût lié à la rupture de stock. Vous verrez ça dans les chapitres qui suivront, qu'on peut calculer ce que vaut une rupture de stock. Donc, des quantifications erronées peuvent amener à des surstockages qui amènent de péremptions en engendrant un cours de coût supplémentaire, ou on a des quantités insuffisantes qui, après utilisation, engendrent des ruptures de stock. Et les ruptures de stock ont un coût. C'est le coût de la vie de la personne qui aurait dû avoir ce médicament et qui ne l'a pas. Il y a aussi la qualité médiocre, la mauvaise qualité de médicaments achetés. Si ce sont des produits qui sont de mauvaise qualité, ça veut dire que non seulement il va mettre en danger la vie de la personne, mais surtout, il ne va pas soigner la pathologie pour laquelle le besoin a été identifié. Bien sûr, il y a des vols, des médicaments, peut-être en dehors des antituberculeux. La plupart des médicaments constituent en fait de matières premières pour la vente. Nous avons dans nos pays régulièrement des médicaments qui sont détournés, qui sont volés au moment de transport, par exemple.
Il y a aussi des entreposages inadéquats et des péremptions, bien sûr, nous en avons parlé. Entreposage inadéquat, comme vous le savez, nos infrastructures ne sont généralement pas aux normes. Cela entraîne, vous savez, nous sommes dans des pays où les températures sont parfois excessives, le taux d'humidité est très élevé, mais il n'y a pas dans les entrepôts de contrôle, de mesures de contrôle des températures et d'humidité. Nous avons surtout des prescriptions irrationnelles et la mauvaise utilisation par les patients. Ce volet de prescriptions irrationnelles constitue un des éléments majeurs de perte de bénéfices thérapeutiques, tout simplement parce que les prescripteurs n'ont pas en fait la maîtrise de l'utilisation d'une part des algorithmes pour avoir un diagnostic exact et l'utilisation, bien sûr, des ordinogrammes, des directives standards de traitement permettant de pouvoir soigner correctement le patient avec des traitements adéquats. La mauvaise utilisation, eh bien, nous tous, de temps en temps dans nos familles, nous constatons que lorsque une personne a reçu une prescription et que les produits sont là, il le consomme, il l'utilise le premier jour. Si le produit doit être utilisé pendant 5 jours, eh bien, dès qu'il a utilisé les deux premiers jours et que les symptômes ont disparu, eh bien, il arrête le traitement. Ces éléments font partie de la réduction du bénéfice thérapeutique de ces produits. Et malheureusement, ce médicament qui a coûté cher va se retrouver inactif à cause tout simplement d'un de ces éléments que nous venons de citer, y compris la corruption, qui est souvent très importante, surtout dans la partie concernant les achats, où on peut constater des surfacturations, des médicaments qui peuvent être payés une certaine quantité à un coût donné, eh bien parce qu'il y a des corruptions, les prix sont élevés et les quantités achetées sont diminuées. Donc, cela handicape justement les effets que les médicaments peuvent apporter à un patient ou plutôt à toute une population, parce que lorsque nous mettons ensemble ces éléments, c'est une bonne partie de la population qui est affectée par la réduction de bénéfices thérapeutiques. S'il vous plaît, Herman. Le suivant. Alors, juste à titre d'exemple, et je pense, lorsque vous lisez les documents et vous recherchez la documentation, vous trouverez beaucoup d'études. Les dépenses, il faut voir qu'est-ce que nos pays dépensent en termes de médicaments chaque année. Vous allez voir que les écarts sont très importants entre les pays développés et surtout nos pays à faible revenu. L'étude que nous avons pu avoir a démontré, par exemple, qu'en 2000, nos populations des pays à faible revenu comme nous avons dépensé 4,4 $ par habitant par an. Tandis que dans les pays qui sont à revenus élevés, on est autour de 396 $ américains par an par habitant. Le Cambodge, par exemple, a eu à dépenser 11 $ par habitant par an. Le Japon, 528 $ par habitant par an. Les États-Unis, 1200 $ par habitant par an. En RDC, nous avons essayé de calculer ces dépenses publiques. Je peux vous dire qu'il y a eu des années où nous étions à zéro. Zéro. Donc, 0 $ par habitant par an. Et lorsque le gouvernement fait des efforts, il y a eu une année où ils ont fait des efforts, on était à 0,3%. Lorsqu'on est dans cette situation, on ne peut pas s'étonner de voir les médicaments toujours indisponibles. Parce que la population est pauvre, elle ne peut pas accéder aux médicaments, donc il faut bien que l'État prenne en charge cela. Je souligne que selon les recommandations de l'OMS, l'OMS demande pour tout ce qui concerne les médicaments, la fourchette part de 12 à 23 $ américains par habitant par an.
Et cette fourchette comprend l'ensemble de médicaments, y compris les vaccins. 12 à 23 dollars américains par an. C'est très important. Et c'est très important de savoir, dans nos pays, dans vos pays, nous vous demandons, nous vous suggérons de rechercher cette donnée. Ceux qui sont dans la chaîne d'approvisionnement savent que régulièrement, lorsqu'il y a des ruptures de stock, peut-être en dehors de médicaments qui sont apportés par les bailleurs, notamment les antirétroviraux, les antituberculeux, les antipaludiques, eh bien, tous les autres médicaments que la population achète, que la population pour laquelle les ordonnances au niveau des hôpitaux sortent, tous ces médicaments-là, la population achète. Quelle est la part du gouvernement? Je vous suggère de rechercher cette information en prenant la dépense qui est prévue dans les budgets de l'État au cours de l'année, de prendre ce montant, de rechercher le montant effectivement décaissé. Parce que souvent, on a le montant qui est programmé, mais le montant décaissé peut être 50, voire 10% de ce qui a été planifié. Et vous prenez ce montant effectivement décaissé, vous divisez par le nombre de personnes, eh bien, de la population par habitant, le nombre de la population que vous avez dans le pays, eh bien, vous pouvez justement savoir quelle est la participation de l'État et quel est le gap, s'il y en a, entre les 12 dollars dont nous avons parlé, les 12 et 23 dollars américains par habitant par an. Vous allez voir quel est, votre pays se situe à quel niveau exactement en termes de dépenses publiques pour les médicaments. C'est très important, c'est une donnée très importante. Je vous suggère vraiment de la rechercher, de prendre la loi de finances. Vous pouvez le faire sur 5 ans et rechercher cette information et voyez que dépense l'État pour amener les médicaments à sa population. C'est une petite étude. Si vous la faites sur 10 ans, vous pouvez avoir un élément de plaidoyer pour démontrer, entre autres paramètres, pourquoi les médicaments sont toujours en rupture de stock dans le pays. Et suivant, amen. Maintenant, pour asseoir cette politique, pour asseoir justement des décisions politiques, des décisions stratégiques permettant à ce que les besoins étant immenses, mais les ressources étant toujours limitées. D'ailleurs, même si nous disons que les États-Unis ont 1 200 dollars par habitant par an, mais je pense que vous suivez régulièrement les documentaires qui montrent que même les Américains n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas toujours accès aux médicaments, en tout cas pas tous. Il faut donc qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau du pays, notamment la mise en place ou l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale, dans laquelle des principes doivent être arrêtés afin de pouvoir déterminer comment faire en sorte que dans le contexte des ressources très limitées, mais des besoins très étendus, le focus est mis sur quel domaine. Donc c'est ainsi que les politiques pharmaceutiques nationales qui sont dans nos pays intègrent comme principe de base une sélection de médicaments grâce au concept de médicaments essentiels. Cela est très important et nous allons voir pourquoi est-ce que cela est important. On doit ajouter aussi à cette politique des mécanismes de gestion efficaces qui permettent d'économiser les fonds parce que les ressources sont toujours limitées, mais tout en améliorant les performances. Chez nous, en RDC, nous avons toujours dit que la chaîne d'approvisionnement dans le pays est en pleine reconstruction. Et comme elle est en train d'être reconstruite, ses performances sont faibles. Mais on ne peut pas non plus dire que nous avons besoin de beaucoup d'argent. Si nous avons beaucoup de ressources, alors nous sommes sûrs de pouvoir atteindre la performance. Non. Ce sont des mécanismes mis en place même avec des financements limités qui peuvent permettre d'obtenir des performances plus élevées par rapport à celui qui dispose de suffisamment de ressources, mais qui n'a pas mis en place de mécanismes importants de fonctionnement d'une chaîne d'approvisionnement rationnelle.
L'utilisation rationnelle des médicaments dans la chaîne d'approvisionnement, c'est un des segments souvent qui est négligé. Négligé pourquoi? En tout cas, dans nos pays, dans le pays où je suis passé, y compris le mien, eh bien, lorsque les directives standards de traitement sont élaborées, lorsque les ordinogrammes sont élaborés, nous nous arrêtons à reproduire des quantités, des nombres importants, et les distribuer. Donc, les prestataires, ceux qui doivent faire les diagnostics en utilisant des algorithmes de laboratoire, ceux qui doivent prescrire en utilisant les ordinogrammes ainsi que les directives standards de traitement, reçoivent un document. Personne ne leur dit ce document, si on l'a fait, c'est pourquoi. Pourquoi y a-t-il deux changements? Pourquoi est-ce que cette molécule a disparu et l'autre remplacée? Et généralement, quand on donne ces documents, ces ordinogrammes ou ces directives, eh bien, la personne les prend et il les jette dans son tiroir. Et il continue à faire les prescriptions selon ce qu'il sait, qu'il a appris à l'université il y a peut-être il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Il est important aussi que la politique pharmaceutique nationale dispose en fait des procédures de suivi et d'évaluation systématiques. Si nous ne suivons pas, en ayant mis des indicateurs clairs qui nous permettent à des périodes précises de pouvoir nous évaluer et de nous dire si on est avancé ou si on a stagné ou on a reculé, eh bien, on fait une chaîne d'approvisionnement pour rien. Raison pour laquelle la politique pharmaceutique nationale, lorsqu'elle est rédigée, elle doit être suivie d'un plan avec des indicateurs qui vous permettent à chaque période, chaque année, à chaque 5 ans, de pouvoir mesurer le chemin parcouru, les résultats obtenus, surtout par rapport à la population. Nous pouvons aller à Amman. Le suivant. Alors, là, nous posons quelques questions. Nous aimerions, je pense, nous sommes plusieurs pays ici, au moment de la discussion, nous aimerions vraiment avoir vos avis, avoir des réponses à ces questions, notamment, est-ce que vous avez les listes de médicaments essentiels dans vos pays? J'imagine en tout cas que la plupart nous diront oui. Une question subsidiaire qui me vient à l'esprit, c'est ces listes ont combien de médicaments? Il y en a combien dans cette liste? Du moins, la dernière liste que vous avez eue. Est-ce que vous faites une revue périodique? Et quels sont les délais de révision? Nous serions très intéressés de savoir comment chaque pays, pour faire la révision, comment il fait. Quelles sont les dépenses pharmaceutiques totales dans votre pays? Du moins, puisque nous sommes en 2022, quelles ont été les dépenses en 2021? Je voudrais enlever l'année 2020 à cause de COVID, mais nous pouvons voir 2019 et 2021, quelles ont été les dépenses? Et quelles sont les dépenses pharmaceutiques par habitant par an? Et enfin, est-ce que parmi nous, y a-t-il un pays qui a déjà mesuré le bénéfice thérapeutique? C'est très important que nous puissions le savoir pour pouvoir partager ces différentes expériences. Je voudrais, pour ce cas-là, en fait, pour faire comprendre ce que c'est que le bénéfice thérapeutique, souligner que lorsque les médicaments sont disponibles et lorsqu'ils sont là, s'ils ne sont pas utilisés de la bonne manière, eh bien, on se retrouve avec des difficultés. Une étude qui a été réalisée il y a quelques années par MSH a montré, par exemple, qu'en situation normale, lorsqu'on a des médicaments qui sont donnés dans certaines conditions à la population, nous avons en fait 30% de bénéfices, 30% de bénéfices thérapeutiques, 30%. Nous avons 21%, en tout cas gaspillés, on appelle ça du gaspillage.
surtout lié à quoi? Au non-respect de normes et de directives ainsi que des organogrammes. Les médicaments sont prescrits de n'importe quelle manière, et bien on se retrouve avec des choses, des patients qui le consomment aussi mal. Si le produit est mal prescrit, il est aussi mal consommé. Et cela entraîne justement du gaspillage à ce que l'efficacité de ce médicament soit malheureusement, que l'efficacité soit en tout cas atteinte. Nous avons également des prescriptions irrationnelles, nous en avons parlé. Nous avons parlé de patients qui commencent un traitement et qui ne le terminent jamais, ou lorsqu'on lui dit qu'il faut prendre 2 comprimés par jour, un le matin et le soir, il le prend le matin et il oublie le soir, le lendemain il le prend le soir, il oublie le matin. Cet aspect d'observance et d'adhérence au traitement a un impact majeur sur le bénéfice thérapeutique. Mais le patient, nous le connaissons, généralement, lorsqu'il a eu le médicament, si c'est en ambulatoire, il a mis le médicament chez lui. C'est lui qui devient son propre responsable de son traitement. Mais s'il ne prend pas le médicament, tout le bénéfice et tous les efforts qui ont été faits pour que le médicament soit là et pour qu'il soit utilisé correctement, tous ces efforts sont vains. On a constaté que donc à 13%, les médicaments perdent leur efficacité à cause de mauvaises prescriptions. À 6%, le bénéfice est perdu à cause de l'altération ou des expirations. À 6% également par un stockage inadéquat. Ces éléments sont dans les cours. À environ 9%, c'est le vol. Les prix élevés prennent à peu près 9%. Donc, concrètement, tous ces facteurs qui diminuent le bénéfice thérapeutique du médicament, ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Lorsqu'on parle de non-respect des normes par les patients, ça signifie qu'il faut une sensibilisation, il faut qu'il y ait de vrais dialogues entre les prescripteurs et les dispensateurs et les patients pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils respectent les prescriptions. Les prescriptions irrationnelles, qui les font? Mais ce sont les prescripteurs, ce sont les médecins. Ça signifie quoi? Il faut agir sur la disponibilité de directives standards de traitement et avoir un système de supervision et de suivi qui leur permette de pouvoir respecter ces directives standards de traitement. On peut avancer, Aman? Le suivant. Alors, quel est le rôle du personnel? Si vous regardez bien depuis le début, les médicaments coûtent cher, les médicaments sauvent les vies, les médicaments améliorent la qualité de la vie. Mais pour atteindre ces objectifs, avec des médicaments qui coûtent cher, dans un contexte de ressources limitées, il faut du personnel. Il faut du personnel pour s'assurer que tous les médicaments seront utilisés comme il se doit. Donc, c'est ainsi que le personnel de la chaîne d'approvisionnement, et là, nous disons le personnel de la chaîne d'approvisionnement. Qui est-il? C'est un domaine où nous avons plusieurs types d'acteurs des différents domaines, des différentes expertises, des différentes expériences. Et toutes ces personnes doivent au minimum se retrouver dans les segments suivants. Pour la sélection de médicaments, il ne s'agit pas ici d'avoir un comité pour la sélection de médicaments où on ne trouve que des pharmaciens seuls. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que le processus de sélection de médicaments demande un certain nombre de préalables. Par exemple, il faut que les hôpitaux constituent en leur sein ce qu'on appelle des comités pharmacothérapeutiques. Ce sont ces comités au niveau des hôpitaux qui collectent, qui documentent les informations sur l'efficacité des médicaments, sur la stabilité des médicaments, et même sur la qualité des médicaments. Ce sont eux qui peuvent vous dire, eh bien cet antibiotique n'agit plus. Depuis telle année, il n'est plus efficace lorsque nous l'utilisons. Ce sont eux, c'est eux qui sont au front qui peuvent nous le dire, mais à condition de s'organiser
au préalable. Bien sûr, il y a des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des techniciens de laboratoire, parce que c'est eux, en cas d'antibiotiques, qui font les antibiogrammes notamment. Il y a les aspects de prévision et de quantification, pour lesquels on a besoin de l'expertise pointue dans tout le domaine, pharmaceutique, médical, financière, logistique. Parce que dans les prévisions, nous sommes en train de voir quels sont nos besoins futurs. De quoi aurons-nous besoin pendant une année, pendant deux ans, pendant trois ans. L'autre segment, ce sont les achats qui demandent une expertise très pointue parce que ça introduit des aspects juridiques avec la passation de marché, des aspects techniques avec des spécifications techniques, des aspects logistiques, avec tout ce qu'il y a dans le processus, notamment les éléments importants des Incoterm, savoir quelles sont les responsabilités à partager entre le fournisseur et l'acheteur, la gestion de stock, la distribution et l'utilisation rationnelle. À chacun de ces segments, on a besoin obligatoirement d'avoir du personnel capable de pouvoir répondre aux défis de chacun de ces segments. Merci, allons-y, Aman. Alors, là, vous voyez bien que c'est, comme je l'ai dit, la chaîne d'approvisionnement, c'est un domaine très complexe. Souvent, le personnel qui travaille dans la chaîne d'approvisionnement, encore que la chaîne d'approvisionnement, est étendu depuis la sélection du médicament jusque chez le patient. C'est difficile d'avoir autant de personnes sur toute une chaîne. Mais ce n'est pas tout. Autour de ceux qui gèrent la chaîne d'approvisionnement, il y a un ensemble d'organisations qui interagissent avec ce personnel dans un sens comme dans l'autre. Le ministère de la Santé, dans lequel on trouve des autres programmes, notamment de lutte contre les maladies, qui, lorsque les médicaments manquent, eh bien, ils vous regardent, vous, la chaîne d'approvisionnement. OK, les antirétroviraux sont en rupture de stock, qu'est-ce qu'on fait? Les autorités de réglementation pharmaceutique, qui sont dans la chaîne réglementaire, notamment en octroyant les autorisations de mise sur le marché, en octroyant les autorisations de portation, pour lesquelles la chaîne d'approvisionnement peut se retrouver impactée négativement. Il suffit que l'autorité de réglementation n'ait pas délivré, notamment les autorisations d'importation, à temps. Dans nos pays, en tout cas, personnellement, j'ai l'expérience, j'ai vu, ça a diminué ces derniers temps, mais j'avais vu régulièrement des médicaments qui arrivaient à la douane et qui périmaient à la douane. Ils arrivaient à la douane avec environ une année et demie de durée de vie ou deux ans de durée de vie. Mais ces médicaments périmaient à la douane parce que la documentation n'était pas là. Voilà la chaîne d'approvisionnement impactée négativement par, non pas des personnes qui sont dans la chaîne d'approvisionnement, mais qui sont justement, qui interagissent avec la chaîne d'approvisionnement. Parlons aussi des fabricants. Comme vous le savez, les fabricants travaillent en flux tendu. Pour les médicaments, c'est différent des aliments. Les aliments, surtout ceux qui sont prêts à être mangés, par exemple, on les prépare, on récolte et on les dépose, on les entrepose et on attend les acheteurs. Les médicaments, un laboratoire fabrique quand il reçoit les commandes. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont vu les difficultés qui sont survenues, particulièrement en 2020 avec la COVID, la pandémie qui a bloqué le monde entier et pour lesquels les laboratoires, à un moment donné, ont fermé. Les laboratoires n'ont pas ouvert, étant donné que toute la chaîne d'approvisionnement, en fait, a eu, à un certain moment donné, de goulots d'étranglement et de rupture. Nous avons les circuits commerciaux, surtout pour le secteur privé, les bailleurs de fonds. Nos pays africains sont perfusés par les bailleurs de fonds, non pas seulement, bien sûr, dans la santé, mais dans d'autres domaines. Mais au niveau de la santé, eh bien, la prise en charge du VIH, tuberculose et paludisme, ce sont des fonds des bailleurs.
Et comme vous le savez aussi, les bailleurs, quand ils viennent, bien sûr, que les fonds qu'on nous amène, on nous dit que c'est des fonds de donation. Mais n'oublions pas que derrière, il y a aussi des affaires. Il y a souvent des affaires. Peut-être pas dans tous les cas, mais il y a souvent des affaires. Et donc, on est astreint à recevoir de pression sur quelque chose qui doit avoir quelque chose de très important, c'est-à-dire être de manière psychologique indépendant pour pouvoir agir sans avoir la pression. Mais vous voyez bien que ce personnel qui travaille dans la chaîne d'approvisionnement se retrouve entouré de plusieurs catégories d'organisations, catégories de personnes avec tous, sans nécessairement avoir des intérêts communs, parfois des intérêts divergents. Et ça peut poser des problèmes. Bien sûr, j'ajoute, nous avons les associations de consommateurs, nous avons le personnel de santé, les organisations industrielles, hein, qui parfois peuvent décider qu'un médicament, à cause de matières premières, le médicament là n'est plus là, et donc ça impacte sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous disons, les interactions sont donc évidentes entre ces nombreux et différents types de personnel, je dirais d'organisations, pour agir sur la chaîne d'approvisionnement. Et ces interactions peuvent aller dans un sens positif, d'accompagner la chaîne d'approvisionnement pour atteindre les résultats, ou dans le sens négatif, en amenant des pesanteurs qui, justement, entraînent ce que nous pouvons appeler, en fait, le déraillement de la chaîne d'approvisionnement pour qu'elle fonctionne de manière adéquate. La suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous l'avons déjà dit, quel est le rôle du médicament lorsqu'on a une approche santé publique? Lorsqu'on a une approche santé publique, cela veut dire qu'on s'est dit, les programmes de santé publique visent en fait qu'avec les ressources qui sont disponibles, nous insistons, ces ressources-là sont insuffisantes, ces ressources sont toujours insuffisantes. Comment faire avec les ressources insuffisantes pour obtenir un niveau maximal d'amélioration de la santé? Comment faire en sorte qu'avec peu d'argent, si je peux illustrer, vous avez 10 personnes dans la maison, vous avez très peu d'argent, mais comment faire pour que tout le monde mange bien? C'est cela en fait l'exercice d'équilibriste qu'on nous demande de faire. Surtout, lorsque vous aurez trouvé les données concernant les dépenses publiques de médicaments, l'apport de l'État, vous comprendrez pourquoi cet exercice, nous devons continuer à le faire. Parce que ce n'est pas maintenant que nous aurons tout l'argent dont nous avons besoin pour pouvoir répondre à tous les besoins. C'est ainsi que nous parlons de l'aspect de la démarche de santé publique, c'est-à-dire comment soigner le plus possible de gens avec peu de moyens. C'est pour ça que le concept de liste médicaments essentiels est apparu avec 200 produits en 1977. 200 produits. Aujourd'hui, il nous est demandé, lorsque vous verrez pour ceux qui sont déjà passés sur ce chapitre ou ce module, ils verront que lorsqu'on fait une bonne sélection et connaissant les pathologies, les profils de morbidité de nos pays, eh bien, le nombre de médicaments pourrait être autour de 300, 350, voire 500, mais pas plus. Mais si nous regardons nos listes, je pense que la plupart du temps, nous nous retrouvons avec plus de 1000 produits, 1500, voire 2000. On peut avancer, Amane. Le suivant, Amane. Voilà. Donc, le concept de médicament essentiel comprend donc les principes suivants. La grande majorité des problèmes de santé pour la majorité de la population peuvent être traités ou soignés par un petit nombre de médicaments. La grande majorité des problèmes de santé pour la majorité de la population peuvent être traités ou soignés par un petit nombre de médicaments. En réalité, si vous regardez bien, si vous faites quelques études, vous verrez que en routine,
la plupart des professionnels utilisent un nombre limité de médicaments. Mais lorsque vous lui demandez de vous faire la liste de médicaments dont il a besoin, alors qu'en moyenne, vous trouverez qu'il en utilise 10, mais il fera la liste des 50 produits dont il a besoin. D'où la formation de professionnels est très importante. Et l'expérience clinique doit être basée sur l'usage approprié des médicaments. Et pour disposer d'un soubassement politique important qui sous-tend ce concept, il est indispensable de disposer d'une politique pharmaceutique nationale. C'est dans cette politique que vous devez mentionner les exigences liées à la liste nationale des médicaments essentiels. Et le processus, c'est dedans qu'on doit décréter le processus de sélection de médicaments pour avoir un petit nombre, c'est vraiment ça le concept, un petit nombre pour soigner la grande majorité. Vous voyez qu'il y a, ce sont deux extrêmes. Soigner plus de gens avec peu de médicaments. Mais là, il faut tout un processus de sélection de médicaments qui permette à ce que vous ayez la possibilité de pouvoir atteindre cet objectif qui demande tous les jours de faire l'équilibre. Le suivant, s'il vous plaît, Aman. Aman, le suivant. Aman, la diapositive suivante. Si vous avez des problèmes, je peux essayer de les partager. Voilà, merci. Donc, le premier concept, nous l'avons dit, c'est la sélection des médicaments essentiels. Il faut que cette sélection soit faite pour avoir une liste limitée de médicaments, parce que l'avantage d'avoir une liste limitée, c'est que vous pouvez acheter des quantités importantes qui peuvent atteindre la majorité de la population selon le profil de morbidité. Le deuxième concept, c'est celui d'accès. C'est bien, les médicaments, on a des fonds pour les avoir, mais ce n'est pas tout. Il faut que la disponibilité soit là. Et la disponibilité, ce n'est pas au niveau central. La disponibilité, en tout cas, c'est au niveau... Aujourd'hui, il y a le concept de dernier kilomètre. La disponibilité, c'est vis-à-vis du patient. Le produit doit être disponible quand le patient en a besoin. J'ai déjà suivi certaines discussions entre des experts qui disent oui, le produit peut ne pas être à l'hôpital, mais il est dans le pipeline, il est dans le tuyau. Non? La rupture de stock, c'est pour donner un exemple, au niveau de la RDC, nous suivons la rupture de stock au niveau des formations sanitaires. C'est quand on détecte la rupture de stock au niveau de formation sanitaire, que nous demandons pourquoi. C'est alors qu'on va essayer de remonter la chaîne pour voir dans le pipeline où se trouve le médicament. Donc la disponibilité, nous la calculons chez le patient. Chez le patient et non pas dans tout le circuit. C'est la rupture de stock vis-à-vis du patient qui enclenche le système de pouvoir remonter le circuit et de savoir où se trouve le médicament dans le pipeline, où est-ce qu'il se trouve et pourquoi il n'est pas là où il doit être. Le deuxième élément, c'est l'accessibilité financière, qui se définit par la relation entre le prix des produits et la capacité du client de payer à ce prix-là. Bien sûr, nous avons une série, un type, une catégorie de médicaments dit, ces médicaments sont dits gratuits, mais en réalité, il y a un tiers payeur, il y a quelqu'un qui paye à la place de la population pauvre. En RDC, nous avons fait une étude, nous avions fait une étude en 2009 pour calculer en fait une enquête que nous avons réalisée avec l'appui de l'OMS, l'enquête sur le prix des médicaments. Nous avons pris le cas d'une pathologie telle que le diabète et l'hypertension artérielle, et nous avons calculé en rapport avec le salaire journalier moyen un traitement complet du diabète et d'hypertension,
nous avons constaté que ce patient-là, fonctionnaire de l'État, qui touche un salaire précis, devait, au cours du mois, utiliser son salaire journalier pendant 5 jours pour pouvoir acheter ce traitement. Cela veut dire que ce patient, quand il tombe malade, pendant 5 jours, personne à la maison ne mange. Tout son salaire journalier là est utilisé pour acheter le médicament. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre dépense qui peut être effectuée. Ça montre le niveau de pauvreté et des limites liées à l'accessibilité financière. Heureusement, nous avons les bailleurs de fonds, nous avons dit, qui interviennent pour certaines pathologies, mais pas toutes les pathologies. Nous avons aussi l'accessibilité physique. Le médicament peut être disponible, mais est-ce que le patient peut arriver là où il se trouve? C'est ainsi que, de manière générale, on mesure la distance entre l'emplacement où se trouve le produit, généralement à l'hôpital, et là où se trouve l'utilisateur. À titre indicatif, on estime que le patient ne peut pas être au-delà de 15 km dans les zones rurales de la place du site où se trouve le médicament au niveau de l'hôpital. Essayez, si vous voulez, de faire un exercice, ça peut être une étude très intéressante aussi, de voir quelles sont les populations qui sont en dehors, justement, qui sont dans l'inaccessibilité physique parce qu'ils sont au-delà des 15 km de l'hôpital. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout en milieu rural. Nous avons le quatrième critère, c'est l'acceptabilité. C'est la capacité du patient à recevoir et accepter les médicaments. Je pense que nous vivons tous, nous avons dans nos maisons des enfants. Et je connais, j'ai un de mes enfants qui n'accepte, avale difficilement des médicaments qui ont un goût amer. Donc, s'il faut le faire avaler, il faut le tenir, mettre un peu du sucre dans la cuillère à café pour qu'il essaye, en fait, de tromper cette amertume. Il y a des pays où l'utilisation de suppositoires n'est pas acceptée. Voilà les éléments qui peuvent faire en sorte que le médicament peut être disponible. Il est accessible financièrement, il est accessible physiquement, mais le malade n'accepte pas de le prendre pour des raisons qui peuvent être multiples, mais qui doivent être identifiées parce que nous l'avons dit si haut, le bénéfice thérapeutique est lié aussi au fait du comportement du patient. Donc, si le patient n'accepte pas de prendre le médicament, s'il ne le prend pas comme il faut, eh bien, tous les efforts qui ont été faits pour faire arriver le médicament, ces efforts sont vains. Amen, s'il vous plaît. Le suivant. Nous avons pour cela de stratégies. Vous verrez dans la suite de cours, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à ces modules, il y a en fait des stratégies qui doivent être mises en place pour contourner ces difficultés et ces défis. C'est notamment l'éducation, la sensibilisation des patients, surtout pour améliorer l'observance. Quand vous regardez dans le cours, vous verrez qu'il y a une étude qui a été faite qui montre que pratiquement, si le patient ne respecte pas l'observance, on perd 21% du bénéfice thérapeutique. 21% s'en va. Si l'observance, si le patient. Autrement dit, si on regarde bien, c'est le patient qui détermine le succès du traitement. Nous avons aussi le management, particulièrement la gestion financière. Comme nous avons dit, les ressources sont toujours très limitées. Les ressources sont très limitées. Il faut bien les gérer pour acheter de manière efficiente et de manière efficace. En termes de passation de marché, il y a beaucoup de fonds qu'on perd parce que le management, justement, au niveau du pays, ne sont pas bons. Nous avons aussi les réglementations, nous en avons parlé, les normes, les règlements. Il faut s'assurer qu'on les a tous bien compris, que tous les processus sont maîtrisés pour éviter notamment le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, des médicaments qui sont importés, mais qui arrivent, qui s'arrêtent à la douane et qui sont périmés.
En termes d'économie, bien sûr, nous avons les assurances. Les patients tels que nous sommes là avec de fonds et de salaires qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos besoins, eh bien, beaucoup de pays ont intégré la stratégie de la couverture santé universelle. Je pense que tout le monde, tous les pays sont engagés dans cela. Beaucoup d'autres ont déjà avancé et disposent justement des systèmes qui fonctionnent, notamment les assurances, qui en fait ne sont autres assurances mutuelles qui ne sont autres que le partage, je dirais, de risques, ou si vous voulez, la mutualisation de moyens. Comme tout le monde ne tombe pas malade le même jour de la même maladie, eh bien ceux qui tombent malades sont pris en charge par ceux qui ne sont pas malades. C'est ça en fait l'idée des assurances ainsi que des mutuelles. Mais aussi les achats groupés. Nous avons en Afrique beaucoup de pays, une cinquantaine de pays. Mais certains de nos pays sont tellement petits avec un marché tellement limité que acheter soi-même des médicaments, c'est dépenser beaucoup d'argent. Vous savez, quand vous voulez acheter des médicaments, un des éléments qui pèse, c'est le volume d'achat et c'est la valeur des achats. Je donne souvent un exemple. Si vous allez acheter un bien, vous achetez un bien qui coûte 100 euros, vous avez 1000 euros, vous donnez 1000 euros à 10 personnes, disons 100 euros par personne, et vous allez pour acheter un bien qui coûte 100 euros. Si vous allez acheter à 10, bien sûr, vous allez acheter ce bien ou ce service. Mais prenez les 100 euros de chacun, mettez-les dans les mains d'une seule personne pour qu'il aille acheter le même nombre de biens ou de services que vous voulez avoir. Puisqu'il a 1000 euros, vous allez voir que quand il arrivera chez le fournisseur, on lui donnera la chaise, il va s'asseoir, on va lui acheter du jus, il va boire et il va négocier. Il va dire, oui, j'ai 1000 pour acheter les 10, mais je souhaite que vous puissiez me faire un rabais, je vous donne 900. C'est ça l'importance des achats groupés qui vont vous permettre de pouvoir négocier avec des fournisseurs. C'est très important. Donc, personnellement, je suis en train de rêver de voir tous les pays africains faire des achats groupés. Je pense, au lieu que chacun achète à 3 millions, 5 millions, si c'est l'Afrique qui achète des médicaments à 300 millions, ce sont les fournisseurs qui viendront lui dire, nous vous donnons même pour l'année prochaine, même pour les 2 ans prochains, nous vous donnons ce médicament-là pour qu'il soit accessible à la majorité de la population. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans la gestion, vous voyez bien, nous avons vraiment regroupé les points saillants, chapitre par chapitre. Ce sont parfois des grands chapitres, mais nous avons essayé de résumer. Dans la gestion des approvisionnements pharmaceutiques, il est très important. Nous revenons sans cesse sur la politique pharmaceutique nationale qui doit être revue, qui doit être actualisée pour pouvoir y insérer toutes les nouveautés ainsi que tous les changements que vous souhaitez apporter dans le système pharmaceutique de votre pays. C'est ainsi que la sélection doit être améliorée. Elle ne devrait pas être, comme nous la voyons dans nos pays, un atelier qui va se tenir à un moment donné où quelques personnes se retrouvent et ils prennent. Ce n'est pas interdit de prendre la liste modèle de l'OMS, mais quand même, il faut avoir un système qui vous permette d'avoir des données qui permettent de faire le choix conséquent. Et pour chaque produit retenu, on doit avoir les données sur son efficacité, sa stabilité, son innocuité. C'est très important. Mais aussi, même son prix. Ce système de sélection doit être mis en place pour ne pas donner l'impression que nous faisons des sélections cosmétiques. Nous devons faire de vraies sélections afin d'avoir un nombre très limité de médicaments mais qui va soigner une grande proportion de la population. Cela doit être suivi. On doit retrouver dans cette politique le mécanisme de gestion efficace et une bonne gouvernance qui peut aider à économiser des fonds et améliorer la performance. Je pense qu'il y a des pays
qui avaient déjà essayé, il y a environ une dizaine d'années, d'évaluer le niveau de gouvernance du secteur pharmaceutique. Nous ne l'avons pas encore fait en RDC, mais nous allons le faire l'année prochaine. C'est très important de faire ce travail parce qu'il vous permet de réduire tous les risques qui peuvent empêcher la gestion efficace, tous les risques de faire des dépenses inutiles et tous les risques qui plombent la performance. Nous l'avons dit aussi, l'usage rationnel de médicaments exige plus que la simple diffusion des informations, et il exige aussi une participation active de tous les acteurs impliqués. La participation active, c'est la proposition que nous avons faite tout à l'heure de construire au sein des hôpitaux des comités pharmacothérapeutiques qui, eux, produiront ce qu'on appelle la liste standard de médicaments, dûment documentée avec des justifications pour chaque médicament retenu. Ainsi, les districts sanitaires pourront vérifier ces informations, faire la compilation de ces listes des hôpitaux. Le niveau de province font la compilation des listes des zones de santé ou des districts sanitaires et le niveau national fait la compilation de listes provinciales. C'est ainsi qu'on peut avoir la liste nationale de médicaments essentiels venant de la base en ayant repris les médicaments dont ils ont besoin et non pas de médicaments dont ils n'ont pas besoin. Mais surtout, la mise en place d'un système de suivi et évaluation systématique avec des éléments essentiels. Il est indispensable de mesurer et d'adapter les stratégies. Si nous n'avons pas des indicateurs que nous calculons régulièrement pour chaque fois savoir où nous sommes, ça ne sert à rien. La chaîne d'approvisionnement, vous ne l'avez pas. Une chaîne d'approvisionnement sans indicateurs qui vous permettent de mesurer chaque fois là où vous êtes arrivé, il ne sert à rien et pour nous, il n'existe pas. Suivant, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'atterrir déjà. Quels sont les défis de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques? Alors là, nous disons que la maîtrise technique de gestion de la chaîne d'approvisionnement n'est pas suffisante pour répondre aux objectifs d'une chaîne d'approvisionnement efficace. Oui. Vous savez, nous qui sommes dans la chaîne d'approvisionnement, nous nous arguons d'être des experts. Bien sûr, nous maîtrisons ceci, cela, mais la chaîne d'approvisionnement est complexe. Avec des organisations, comme vous avez vu dans une des diapositives, il y a beaucoup d'intervenants. Au niveau du pays, déjà, il y a des intervenants au sein du ministère de la Santé, mais il y a surtout des intervenants en dehors du ministère de la Santé, tels que le ministère des Finances et de l'Économie. Si c'est eux qui sortent de l'argent, comment vous allez faire? Parce que nous savons que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de médicaments, sauf si on vous les donne. Mais les médicaments que vous devez acheter, vous devez les avoir, il faut avoir de l'argent. Donc, certains domaines tels que les finances et l'économie sont hors de contrôle direct de pharmaciens de chaîne et du personnel de la chaîne d'approvisionnement, quel que soit le niveau. Ainsi, en reconnaissant ces limites et en mettant les interactions, c'est à nous, nous qui sommes demandeurs, qui gérons la chaîne d'approvisionnement, c'est à nous d'établir des liens, des interactions positives pour que nos problèmes soient résolus par les autres dès lors qu'ils ont cette responsabilité, qu'ils soient sensibilisés. J'ai vu la première fois, depuis que je suis mes 20 ans au niveau du ministère de la Santé et plus, la seule fois où j'ai vu le ministère des Finances très en crainte à pouvoir nous aider, c'est pendant la période de COVID. C'est là où j'ai vu la première fois le ministère des Finances, chaque jour ou quasiment chaque jour, nous demander quels sont les besoins en médicaments pendant cette période. C'est parce qu'il y avait péril en demeure. Mais en temps normal, nous faisons des engagements, nous envoyons, bon, le ministre des Finances a d'autres priorités. Voilà pourquoi il faut tisser des interactions importante avec les autres secteurs pour que les résultats soient obtenus. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, les défis, ce sont ceux-là. Comme vous le voyez, c'est accéder à un financement durable. En tout cas, dans nos pays, c'est très compliqué. En RDC, quand on dit financement durable, ce n'est pas le financement d'une année. Or, nous savons que nous avons des budgets annuels. En tout cas, tous les pays ont
des budgets qui sont votés par le Parlement. C'est chaque année. C'est chaque année. Donc, on se retrouve dans des programmes de 5 ans, comme actuellement dans mon pays. Il y a un programme de développement de 145 territoires du pays qui est en cours, dans lequel il y a quelques lignes qui parlent de médicaments, mais sans pouvoir préciser combien. Mais un financement durable, c'est un financement qui dure. Ce n'est pas un financement par à-coup. Ce n'est pas un financement qu'on a cette année et l'année prochaine, ce financement disparaît. Or, nous savons que ce qui décide, ce n'est pas nous. Ce n'est même pas le ministre de la Santé. C'est le gouvernement qui décide. Et lorsqu'ils estiment que vous n'êtes pas la priorité, eh bien, ils mettent des fonds ailleurs. En même temps, puisque le volet financement est toujours difficile, il faut améliorer l'efficacité des achats. Acheter de manière efficiente. Il faut changer la perception et le comportement des prestataires ainsi que des patients. Comprendre qu'un médicament mal prescrit est un médicament perdu, c'est de l'argent perdu. Comprendre qu'un médicament mal utilisé par le patient, c'est un médicament perdu et c'est donc des fonds perdus. Pendant ce temps, il y a ceux qui ont peut-être besoin de ce même médicament pour qui la vie peut être sauvée. Il faut accroître aussi la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Le secteur privé est très important pour pouvoir améliorer l'accès aux médicaments, notamment à travers les conventions qui peuvent être signées avec le secteur privé. Le gouvernement peut, à un moment donné, pour pouvoir augmenter l'accessibilité, déduire les taxes, par exemple, en demandant au secteur privé de ne pas payer certaines taxes pour permettre justement ce qu'on a appelé l'accessibilité financière à la population. Il faut réglementer l'innocuité, l'efficacité et la qualité, qui est un des grands défis et pour lequel, dans beaucoup de pays, en ce qui concerne l'innocuité, les services de pharmacovigilance sont peu ou pas fonctionnels. Il faut aussi penser justement aux défis, aux risques qui sont liés à la chaîne d'approvisionnement que nous allons voir très rapidement. Amen, on peut passer ? Voilà. Certains défis sont liés surtout aux ressources humaines. Je ne sais pas combien de pays ont déjà fait l'évaluation des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement, mais lorsqu'on voit le secteur public, on peut au moins être d'accord que ça n'attire pas les gens. À cause de quoi ? Des faibles rémunérations. Et souvent, comme les grands experts de la chaîne d'approvisionnement n'aiment pas aller là où il y a des salaires très bas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des personnes qui acceptent d'être là sans être ceux qui doivent être là. Et ceux qui sont là, des formations sont inadéquates, ils ne sont pas bonnes. Il n'y a pas des incitations, de motivation à amener ces personnes à être toujours performantes. Et le plus souvent, c'est des recrutements inappropriés. Nous avons en Afrique l'approche familiale, hein. L'approche familiale et amicale. Donc, l'approche familiale, c'est lorsque j'occupe un poste, pour éviter que les neveux, les cousins ne viennent me demander de l'argent, eh bien, je les fais caser quelque part. Parfois, c'est justement dans des postes qui concernent la chaîne d'approvisionnement. Et donc, c'est comme ça que vous retrouverez On a déjà retrouvé en RDC un mécanicien, hein, qui gérait un entrepôt de médicaments. Un mécanicien. Bon, voilà. Mais aussi, surtout dans le secteur public, les sanctions disciplinaires qui sont inefficaces quand elles existent ou carrément inexistantes. C'est difficile de voir qu'on a sanctionné quelqu'un. Donc, l'ensemble de ces défis fait que finalement, ce travail n'est pas un travail qui intéresse ou qui fait un appel à des ressources humaines comme il faut. En tout cas, les personnes que je connais qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement, ils le font par passion. Vraiment par passion, c'est parce qu'ils aiment. Mais on ne peut pas développer la chaîne d'approvisionnement uniquement avec des personnes qui aiment. Il faut des personnes qui savent et qui peuvent travailler. Le dernier, je pense que c'est la dernière diapositive qui suit. Allons-y, Aman. Voilà. Tout ce que nous avons dit, en fait,
se résume dans ce diapositive. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. La chaîne d'approvisionnement doit être améliorée chaque jour. Et pour y arriver, c'est le circuit que vous voyez là. Dès le départ, il faut fixer des objectifs précis. Les objectifs précis, c'est notamment, par exemple, vous vous décidez de déterminer en termes d'indicateurs pour un certain nombre de produits traceurs, quelle est la proportion de formations sanitaires qui ne doivent pas tomber en rupture de stock. En RDC, par exemple, nous avons dit que des médicaments prioritaires ne doivent pas être en rupture de... Les formations sanitaires, 80% des formations sanitaires ne doivent pas avoir de rupture de stock de ces médicaments-là. Il faut fixer aussi d'autres objectifs, notamment en rapport avec la péremption, en vous disant, par exemple, qu'on ne doit pas avoir, à la fin de l'année, plus de 5% de médicaments périmés par rapport à tout le stock, le volume de stock géré. Donc, il faut dès le départ fixer des objectifs. Vous les fixez avec des indicateurs clairs, concevoir une planification qui permette d'avoir des activités à même d'amener, d'atteindre ces objectifs, mettre en place ces activités avec des opérations très claires du personnel, de ressources qui ont été réunies et mener ces activités de manière adéquate et ensuite un suivi systématique. Il faut suivre régulièrement pour être sûr que quand il y a des déviations, que vous puissiez prendre des mesures de mitigation et les remettre justement le processus en place pour l'atteinte de ces objectifs. Cette roue-là, c'est une roue permanente. Parce que lorsqu'il y a des déviations, il faut analyser, savoir pourquoi, refixer de nouveaux objectifs si vous avez constaté qu'il y a des goulots d'étranglement ou de contraintes qui empêchent l'atteinte de premiers objectifs. Donc, vous voyez que c'est un travail permanent. Permanent. Il faut le faire de cette manière-là, mais des objectifs doivent être déterminés. On peut aller? Le suivant, s'il vous plaît, Aman. Voilà. En termes de risques, je ne veux pas aller dans les détails. Nous avons plusieurs types de risques. Il y a des risques financiers. Comme je l'ai dit, des risques financiers, c'est la perte d'argent, soit dans les processus, dans les achats. On va dépenser beaucoup d'argent pour des médicaments inutiles, des médicaments dont la personne n'aura pas besoin. C'est de l'argent qui est perdu. C'est aussi la perte d'argent parce qu'on va détruire beaucoup de médicaments. On est obligé de dépenser pour détruire des médicaments qu'on a achetés, donc on perd doublement. Il y a des risques physiques, puisqu'il s'agit de la chaîne d'approvisionnement, des accidents qui peuvent survenir avec les camions de transport de médicaments qui doivent aller à gauche, à droite. Il y a quelques années, nous avons essayé de pouvoir documenter les accidents avec des médicaments, ainsi que les volumes perdus, les camions perdus, eh bien, il y en a beaucoup. Beaucoup. Nous avons des risques opérationnels, bien sûr, qui peuvent survenir lorsque les plans qui ont été réalisés n'ont pas été suivis de plans de gestion des risques. Nous avons également des risques, bien sûr, stratégiques. Lorsque la politique pharmaceutique nationale, par exemple, n'a pas été suivie d'un plan stratégique, le plan stratégique vous permet d'avoir une vision de là où vous voulez aller, de mécanismes que vous mettez en place pour atteindre les objectifs. Ou alors, lorsque ce plan est mal conçu, et quand il est mal conçu, il sera mal mis en œuvre. Et bien sûr, il y a des éléments, des contre-coups qui vont vous revenir. Allons-y. Oui, Aman. Voilà. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est ce module qui est le premier, que certains ont déjà parcouru, en fait, plante le décor des exigences nécessaires à la fonctionnalité d'une chaîne d'approvisionnement efficace. Il relève les défis importants identifiés dans nos systèmes, dont la prise en compte est indispensable pour atteindre les objectifs. Ces objectifs, vous vous en doutez, vous les connaissez, c'est le bon produit,
de bonne qualité, en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment et au bon coût. Pour atteindre cet objectif, je vous assure qu'il y a du travail à faire. Merci donc à tous. J'ai pris plus de temps que prévu. Donc, j'ai vu qu'il y a dans le chat des commentaires et des collègues qui ont levé la main. Je voudrais ici déjà donner la parole. Je ne vois pas les mains chez moi, je ne sais pas pourquoi. Aman, vous pouvez enlever la présentation pour que nous ayons l'écran qui nous permette de voir tout le monde et voir justement les mains qui sont levées. Donc, vous cessez le partage de la présentation. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vois la main de M. Mobele. Ensuite, la main de M. ou Mme Masra. Voilà. Tim. Voilà. J'ai vu un commentaire de Patrick. Voilà. Je donne la parole à M. Mobele. Donc, comme nous l'avons dit, vous avez la possibilité de faire un commentaire, d'apporter une réponse, une expérience si vous l'avez, de poser une question. Vous avez la parole. Ok, merci docteur. J'espère que vous m'entendez. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, élevez un peu la voix, oui. Et approchez-vous du micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Bon, attends, je vais enlever le casque carrément. Ok, oui, voilà. Oui, docteur, merci pour votre brillant exposé, comme d'habitude, et nous sommes les apprenants. Moi, je vous appelle du Tchad, mais je vis quelque part, on m'appelle Mombéré, et dans un autre coin, on m'appelle Timobélé, parce que j'ai travaillé à Butembo, j'ai travaillé aussi à Ouvira et tout. C'est très bien. Voilà, donc je connais bien la zone. Docteur, j'ai vraiment apprécié votre exposé, mais je vais relever certains points. Les points que je vais relever, je prends la géontocratie dans la gestion pharmaceutique. Il y a un problème dans la géontocratie. Vous allez dire que les experts en pharmacie ne veulent pas aller sur le terrain. Moi, je dis quelque part que je vais dire que c'est un peu faux. Parce que aujourd'hui, nous avons certains, comme on le dit chez nous, quelque part, comme on dit, je dis chez nous au Congo, nous avons des papas qui sont là. Tu viens avec toute ta technique, tout ce que tu as appris en power, tu viens pour mettre ça en évidence, pour aider ton pays. C'est quelque chose qui ne passe pas. Ça, c'est partout en Afrique. Nous avons ce problème. Ce problème va nous amener aujourd'hui à ce que Empower développe une politique avec les ministères de santé de chaque pays pour venir faire des exposés, venir présenter ses apprenants ou bien ses diplômés avec, dans chaque pays à travers les ministères de santé. On peut organiser des choses et ce moyen, ça va nous amener à vendre les jeunes qui sont bien formés, qui peuvent venir aujourd'hui réfléchir et développer quelque chose. On a engagé des discussions avec des amis qui disent que, mais est-ce que l'école de Empower là va nous aider? J'ai dit, mais l'école de Empower que nous faisons, c'est la même chose quand tu veux commander, tu changes les médicaments avec les ciments et les fer à béton. Il n'y a pas un changement dans le processus. C'est le même processus. Donc, problème de géontocratie. Docteur, vous-même, vous avez parlé. Est-ce que votre position, vous avez travaillé pour le Niger, vous avez amélioré un peu pour le Burkina, je ne sais pas, un peu partout, Congo-Brazza. Est-ce que vous avez réfléchi pour développer quelque chose, par exemple pour la zone CACE? Vous, les pharmaciens, réfléchissez pour développer quelque chose qui sera commun. Prenons Goma, quelqu'un à Kinshasa. Comment il va commander les produits pharmaceutiques qui doivent venir à Goma?
Il faudrait que les produits passent par l'autre, par le port de l'autre côté, avant de venir à Kinshasa et on met dans les avions pour que ça parte à Goma. Et pourtant, le Burundi est là. Le Rwanda est là. Les pays voisins. Du point de vue pharmaceutique, est-ce que ces pays, on ne peut pas réfléchir et puis on fait des commandes directement à partir de la Tanzanie, ça vient. La quantité de Goma, ça part. La quantité de Uvira, Bukavu, ça part. Donc, nous avons beaucoup de problèmes en Afrique où nous-mêmes, dans notre union, les organisations sous-régionales que nous créons, de fois, nous laissons juste la politique prendre la position de ces organisations sous-régionales pour régler que des petits conflits. Or, nous avons le problème de la santé, c'est les mêmes pathologies au Rwanda, c'est les mêmes pathologies au Burundi, c'est les mêmes pathologies au Tchad. Mais nous sommes là en train d'utiliser les organisations sous-régionales pour régler des problèmes politiques. Quel serait l'appui des organisations sous-régionales dans le problème de la santé? C'est une question que nous devrons réfléchir. Avec Dr. Son, vous pouvez réfléchir sur cette question et porter tout jusqu'à l'Union africaine. Je ne sais pas qu'est-ce que nos amis au sein de la CDAO y font, mais je crois que Dr. Sandé a dit la fois dernière qu'au sein de la CDAO, il y a quelque chose qui est en train d'être mis sur pied. Mais CACE, l'Afrique centrale, Tchad, Centrafrique, Cameroun, tout ça, on n'arrive pas à harmoniser les choses. Donc, nous avons des sérieux problèmes, mais des solutions qui sont là. Nous pouvons utiliser la CEMAC, vous pouvez utiliser la CAC, vous pouvez utiliser le CPGL, tout ça pour que nous puissions améliorer aussi nos problèmes de santé. Mais quand les présidents, ils s'en vont dans les rencontres, vous, au niveau de la santé et tout le monde, on vous oublie. Eux-mêmes, ils se ramassent dans les avions, ils vont, ils discutent les problèmes politiques. Or, sans la santé, on ne peut pas faire la politique, docteur. Vous voyez? Oui, ça, c'est des choses que moi, je vois et c'est compliqué. Maintenant, dans les cours, je suis maintenant au cinquième module, en train d'aller vers le sixième. Dans les cours, la qualité, le problème de la fraude des médicaments. On n'arrive pas à faire un module clair sur la fraude des médicaments. Les médicaments et la drogue. Les médicaments, la drogue, aujourd'hui, c'est les mêmes choses. C'est des choses qui, aujourd'hui, excusez-moi, je vous le dis clairement, c'est des choses qui font tourner à 98% tout ce qu'on appelle le terrorisme aujourd'hui. C'est ça qui fait tourner les médicaments viennent, ça fait le tour. À Butembo, vous n'allez pas ignorer toutes les pharmacies. Vous avez dit que c'est un mécanicien qui détient les pharmacies. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, en Malaisie, c'est un fabricant de savon qui est devenu le Bill Gates de là-bas parce qu'il a de l'argent, il a recruté des jeunes informaticiens, il développe les applications, il vend les ordinateurs. Si un mécanicien qui a beaucoup d'argent, il vient vers les pharmacies pour dire « réfléchissons, faisons quelque chose. Moi, j'ai de l'argent à donner. Qu'est-ce que c'est pas mauvais que le mécanicien, mais si le mécanicien se permet de prescrire des ordonnances, ça, c'est faux. Mais s'il utilise ses ressources pour améliorer une condition de santé, je crois que c'est quelque chose qui est très bien. Bill Gates, aujourd'hui, il est dans le polio, mais c'est l'informatique, n'est-ce pas, docteur? Pourquoi on ne peut pas parler de ça pour dire que Bill Gates est dans l'informatique, mais il s'occupe de la santé qui est polio? Il met ses moyens pour nous aider à avancer. OK, docteur, je ne vais pas monopoliser. Merci beaucoup. Bonne fête encore à vous et puis à nous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mobele, c'est effectivement un nom congolais. Hein. Mobele, j'ai quand même un quartier qu'on appelle Mobele. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, très rapidement, vous avez parlé de gérontocratie, justement, des vieux qui sont là et qui occupent le poste. Je crois que nous avons évoqué la question du personnel. C'est même au chapitre 3, si ma mémoire est bonne. J'ai essayé de résumer, mais je dirais que c'est un problème de gouvernance de manière générale dans nos pays où les postes publics sont privatisés. Les postes publics sont privatisés et donc celui qui est là estime que celui qui est là et personne d'autre ne peut venir. Mais je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses. Moyen de faire bouger les choses, c'est une stratégie, hein, c'est ce que nous sommes en train de chercher à faire ici. Par exemple, tous les apprenants ou les anciens apprenants d'Empower, chacun à la fin a développé une étude des cas. C'est-à-dire qu'il a identifié un problème, il a réfléchi, il a fait tout un projet pour pouvoir résoudre cette question.
Nous avons donc pensé que, après cette cohorte qui est en train de terminer, nous allons réunir l'ensemble de ces apprenants, nous allons regrouper tous les sujets sur lesquels ils ont travaillé pour essayer de voir quels sont les sujets qui se rapprochent, et nous allons en fait former des groupes de travail, des groupes de réflexion pour pouvoir s'attaquer aux différents problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les questions qu'ils ont soulevées feront partie de notre plan, de nos plans d'action, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Si vous y allez seul, ça ne marchera pas, généralement ça ne marche pas. Et comme vous le savez, quand vous avez fait, vous avez acquis des compétences ou une qualification supplémentaire, malheureusement chez nous en Afrique, ce qui vient comme sentiment avant de celui ou ceux qui n'ont pas fait, c'est la jalousie. C'est se dire, oui, il a fait, qu'est-ce qu'il veut montrer que... Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Donc, automatiquement, c'est le sentiment de rejet qui apparaît. Donc, je pense que vous pouvez vous identifier dans votre pays. Vous faites un groupe, parce que c'est quand vous vous rassemblez, vous êtes ensemble, au moins vous pouvez parler le même langage, vous pouvez identifier le problème, vous écrivez. Vous savez que c'est différent quand vous écrivez tout seul au ministre, que quand vous êtes à 5 à 10, vous avez identifié un problème, le minimum, c'est qu'on va quand même vous recevoir. On vous recevra quand même. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à parler. Donc, faites tout pour entrer dans la maison, pour qu'on vous écoute, afin que vous puissiez avoir voix au chapitre et commencer à mettre en œuvre ce que vous voulez. Le deuxième point, vous avez évoqué justement les difficultés de voir nos pays se mettre ensemble pour résoudre le problème. Mais nous l'avons dit dans la présentation, il y a des organisations sous-régionales qui existent et qui fonctionnent déjà assez bien, notamment la CEDEAO. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, il y a eu même du travail qui a été fait pour harmoniser les réglementations au niveau de la zone de CEDEAO, si je me rappelle bien. Les réglementations ont été revues de manière à ce que toutes les normes, les procédures soient les mêmes. Alors, dans ce cas, il aurait fallu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire décider, par exemple, des achats de la zone ouest africain. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut régler le processus de loi sur les marchés publics, il faut les revoir, il faut mettre en place un seul plan de passation de marché, il faut mettre des ressources ensemble, mais chacun sait que dans ces ressources, ma part, c'est celle-ci. Cela est possible. Je pense que vous avez suivi dernièrement avec la guerre de l'Ukraine. Je crois que vous avez suivi tous les pays occidentaux, bien sûr, qui sont contre la Russie, ont décidé de faire un plan d'achat groupé de gaz. Vous comprenez ça? D'achat groupé de gaz au lieu que chaque pays aille individuellement. Puisqu'ils ont déjà lancé cette idée-là, vous allez voir dans quelques années, ils vont le faire. Et finalement, on va rentrer comme nous le faisons ici, nos matières premières, la RDC, beaucoup de pays ont des matières premières, mais ce n'est pas nous qui décidons des prix. C'est les autres, les acheteurs qui décident des prix. Donc, en termes de médicaments, on peut faire la même chose. Mais aussi, on peut développer une industrie africaine locale pour commencer à fabriquer du paracétamol. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'en RDC, il y a des laboratoires qui fabriquent. Vous allez voir qu'au Gabon, ils ouvrent aussi des laboratoires de fabrique, mais qui va acheter à qui? Voilà, malheureusement, c'est un problème qui nous dépasse un peu, parce que ça demande non seulement d'une décision politique, mais c'est surtout de l'engagement politique. Il faut qu'on y travaille pour démontrer les bienfaits de ce processus en mettant en place justement des stratégies plutôt régionales. La RDC fait partie des pays de SADC, donc des pays qui sont en Afrique australe. On a fait le même processus concernant l'harmonisation de réglementation à travers l'approche des Zanziboa. Mais on n'est pas arrivé loin. On n'est pas arrivé jusqu'à dire, par exemple, OK, nous allons lancer un seul marché pour l'ensemble des pays. Vous allez voir que quand nous allons commencer la bataille de
Alors, si c'est, nous allons lancer le processus, alors ce sont mes gens qui doivent être là-dedans, c'est nous qui devons faire ceci, cela. Vous voyez, l'Afrique a toutes les capacités. L'Afrique a des hommes, l'Afrique a des moyens. Mais les hommes passent le temps à se taper dessus, passent le temps à pouvoir montrer que c'est eux qui peuvent le faire après des autres, et ça, ça nous réduit quasiment en esclavage que nous avons aujourd'hui. Lorsque la COVID, la pandémie est arrivée, moi j'étais au cabinet du ministre, j'avais toutes les informations tous les jours des pays qui ont fermé leurs frontières qui interdisaient que les médicaments puissent être exportés. Et je peux vous assurer que j'ai compris ce jour-là que si nous ne nous organisons pas, demain, les Occidentaux diront « L'Afrique, nous voulons tuer toute la population pour aller tranquillement prendre toutes les richesses. » Et ils ont tous les moyens de pouvoir le faire, notamment nous priver de médicaments. Pour ce qui concerne le troisième point que vous avez évoqué, c'est la qualité de médicaments. Non, je peux vous rassurer que vous avez dit que vous êtes au module 6. Continuez. Vous trouverez un module, je pense, si ma mémoire est bonne, ça doit être le module 8, 7 ou 8, dans lequel vous trouvez que le problème de qualité a été abordé en détail. Et on donne la stratégie comment les pays peuvent justement travailler dans le sens d'éviter que des produits de mauvaise qualité puissent aller. Il faut savoir qu'en termes de qualité, il faut plutôt de mettre deux mesures qui dissuadent les gens à ne pas amener des produits, au lieu de mettre de produits, plutôt de mécanismes, pour poursuivre les médicaments de mauvaise qualité. Vous n'y arriverez jamais. Il faut plutôt que les personnes, et c'est ce qui s'est fait ailleurs, en Europe, aux États-Unis, tous ces pays qui ont maîtrisé, ils ont mis des mécanismes pour que celui qui réfléchit, celui qui cherche à amener des médicaments de mauvaise qualité, il se dit, j'ai beaucoup de risques de me faire arrêter, j'ai beaucoup de risques de me faire attraper. Ce sont ces mécanismes-là qui sont partagés, je crois que ça doit être au module 7 ou 8. Vous allez trouver tous les détails et vous verrez que c'est cela qu'il nous faut faire dans le pays. Voilà, je passe la parole à Dr Masra. Ok, Matondo Mouyi, docteur. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et bon après-midi à tout un chacun. Merci à Dr Franck Biya pour cette présentation. Elle était vraiment très, très édifiante. Une fois de plus, merci. C'est vrai qu'on avait pris le train en marche voilà, avec votre prédécesseur en plein milieu où nous sommes déjà passés, nous sommes comme Mobilé l'avait dit, nous sommes déjà peut-être au module 4-5, mais bon, cette présentation du module 1 vient quand même nous éclaircir davantage et nous rappeler un certain nombre de choses que nous avons vues durant la session 1. Alors, j'ai un petit complément par rapport à une des préoccupations de Mobilé sur les initiatives au niveau sous-régional. Je pense qu'il y a bien des initiatives, mais c'est beaucoup plus au niveau de l'application où ça pose un problème. Nous avons récemment, par exemple, l'initiative de l'Agence africaine des médicaments, qui a tenu même une session récemment au niveau d'Addis Abeba, qui a même vu la participation du Tchad, donc du pays de Mobilé, où une de ses compatriotes, à savoir Dr Francine, pharmacienne, secrétaire d'État au ministère de la Santé, qui a été élu vice-président de cette agence-là. Et cette agence, vraiment, a pour but de régler un certain nombre de problèmes, beaucoup d'ailleurs même de problèmes qui seront résolus à travers cette agence. Maintenant, il y a des problèmes de ratification et également de mise en œuvre. Donc, pour dire vraiment qu'il y a vraiment des initiatives dans ce sens-là. Alors, à cela, j'ai deux préoccupations. La première, c'est beaucoup plus une remarque. Moi, je constate que beaucoup de documents sur les différents modules ne sont pas soit accessibles sur tous les sites, ne sont pas accessibles. Quand on clique là-dessus, ça nous conduit plutôt à des zones où on ne trouve rien pratiquement. Et c'est un peu compliqué. Même après avoir fait plusieurs fois le rafraîchissement, on n'arrive pas toujours à avoir accès à ces documents. Et aussi, il y a certains documents qui ne sont pas disponibles. Je crois que j'ai fini mon module 5 hier avec l'évaluation. Et au chapitre 6 de ce module, il y a, un tableur Excel qui a été fourni pour un certain nombre de calculs. J'avais essayé en vain
d'accéder, n'est-ce pas, à ce document, mais je n'ai pas pu y accéder jusqu'à à finaliser complètement ce module. Donc, si seulement les administrateurs peuvent essayer de voir pour améliorer un peu cet aspect-là. Le deuxième point, là, c'est une question. Voilà, c'est à propos du cours de formation. Là, je pense que je vais l'adresser beaucoup plus à Aman. Au début, on nous a fait comprendre que voilà, les cours, ça peut peuvent être payés en 3 tranches. 1 000 euros pour la première tranche, 750 pour les deux tranches suivantes. Bon, c'est vrai que les délais qui ont été donnés, avec les difficultés, on n'arrive toujours pas à les tenir. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il sera possible, n'est-ce pas, une fois après avoir payé la première tranche qui est de 1 000 euros, et de nous laisser un peu plus de temps, d'aller même peut-être, pourquoi pas, jusqu'à la fin des modules et nous organiser à notre niveau pour payer vraiment au moment opportun. Parce que, voilà, le délai qui, moi personnellement, le délai qui m'a été accordé déjà passé pour le paiement de la seconde et même de la troisième, donc je ne sais pas est-ce qu'on va m'occuper à tout moment ou bien je serai autorisé quand même à aller jusqu'au bout en attendant que je me batte pour, voilà, pour régulariser. Donc voilà un peu ça, mes deux points. Merci beaucoup. À vous. Merci, docteur Masra. Vous êtes de quel pays? Alors, je suis au Tchad. Je suis au niveau de l'organisation International Rescue Committee. Je suis le pharmacien. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup pour les commentaires. Pour ce qui concerne la documentation, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des documents, lorsque vous entrez dans les ressources, vous ne retrouverez ces documents-là. Alors, pour la petite histoire, je peux vous dire que ce cours qui est donné aujourd'hui en français, c'est un cours qui a existé, qui était donné depuis une dizaine d'années, excusez-moi, en anglais. Donc, c'est en 2018, avec ma collègue Charlotte Moussepou de l'UNFPA en RDC, et nous avons entamé des discussions avec le professeur Paul, le directeur général d'Empower, pour voir dans quelle mesure on peut justement avoir les sessions en français. Donc, ça a pris du temps pour que cela se fasse. Et il faut dire que beaucoup de documents et de documentation également, vous ne les trouverez pas en français, ils sont en anglais. Vous allez voir qu'ils sont en anglais. Donc, il faut comprendre par là que c'est un, disons, la version française est encore à ses débuts. Est encore à ses débuts, mais nous qui l'avons passé, comment nous avons contourné ces difficultés? Vous avez le lien qui est dans les cours, dans les ressources. Si vous cliquez, ça ne marche pas. Reprenez ce lien. Faites maintenant une recherche dans le moteur de recherche de Google, par exemple, et vous allez, je ne dis pas que vous allez trouver tous les documents, mais vous pouvez trouver les documents analogues. Personnellement, lorsque j'ai fait ce cours et que j'étais en train de rechercher les documents, je vous assure que pour chaque module, je dis bien, je ne manquais pas d'avoir une vingtaine de documents. Soit qui n'ont peut-être pas le même titre, mais qui sont analogues ou qui ont fait des études analogues, soit dans un pays ou dans un autre. Donc, ce que je vous demande c'est continuer. Continuez à faire la recherche vraiment à l'Internet, étant donné que l'Internet, c'est aussi une bibliothèque. Cherchez ce lien. Si le lien n'apparaît pas, ne vous donne pas les documents, mettez même le titre et recommencez. Vous trouverez des documents. Malheureusement, ils seront plus en anglais qu'en français. Mais vous trouvez quand même beaucoup de documents qui sont aussi en français. Donc, c'est l'astuce que nous avons trouvée, qui nous a quand même aidé à pouvoir disposer ce document. Ensuite, l'anglais, malheureusement, continue à nous rattraper. Beaucoup de documents sont en anglais. Donc, il faut qu'on fasse quand même, nous devons faire cet effort de pouvoir apprendre à lire, ne fût-ce qu'à comprendre, même si nous ne parlons pas, de manière habituelle la langue. Alors, pour les outils, si vous avez, par exemple, les outils Excel, effectivement,
Nous, nous avions connu, pour ceux qui ont déjà passé, ils ont vu la même chose. Je vous demande de pouvoir écrire à Dr Sondé ou à Dr Denis. Je pense que vous avez les contacts. Si vous n'avez pas le contact, on pourra vous les partager. Amen est en train de suivre. Vous les réécrivez pour que et signaler à mes copains également, nous signaler justement un outil qui n'est pas là ou que vous avez cherché à avoir et qui n'est pas là. On pourra le rechercher, vérifier, le rechercher et aussi le partager à tout le monde, étant donné que nous échangeons très régulièrement. Alors, en ce qui concerne les paiements des frais, ok, bon, je pense que Aman pourra vous répondre. Peut-être que ce n'est pas Aman qui va vous répondre. Vous pouvez réécrire votre problème, parce que moi, je sais que nous suivons un certain. Cet homme d'apprenants, quand ils ont un problème, qui sont concernés, qui vont traiter au niveau d'Empower et revenir avec vous, avec la solution. Je pense que c'est cela qu'il faudra que nous fassions pour que, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, nous ne pouvons pas attendre le webinaire pour pouvoir les poser. Donc, je conseille, et aux autres qui ont le même problème, d'adresser un courrier, disons un mail, à, bien sûr, à Aman, à Erika, à Isaka, docteur Denis, vous adressez aussi, m'adressez aussi un mail de manière à ce que nous puissions voir comment faire pour pouvoir y répondre. Voilà ce que je peux dire. Pour les frais, je pense que Aman a entendu. S'il a une réponse, il peut la donner. Mais sinon, je pense qu'il faut, comme tous les cas ne sont pas les mêmes, vous pouvez écrire hein, pour situer et proposer ce que vous pensez comme étant les modalités. Je pense qu'il y a des équipes qui vont étudier les cas et vous répondre cas par cas. Merci beaucoup. Je donne la parole à Patrick. Merci beaucoup pour la parole, mon directeur. Et je commence par vous remercier pour cette belle présentation. Je note que j'ai commencé évidemment il y a un temps et je suis en passe de terminer les sixième module. Mais je reviens parce qu'il est vrai que quand on commence, des fois, on n'avait pas cette faveur d'assister à la présentation ou bien au webinaire par rapport au module. Sinon, je n'avais pas vraiment participé au webinaire pour les modules, les premiers modules. C'est comme ça que je suis fortement encore un peu plus fortifié que je l'étais. Et je reviens par rapport surtout, hein, c'est un commentaire que je voulais, et dans ce cas, je voulais aussi me servir du cas des que je vis dans mon pays. Donc, je note que je suis aussi dans la République démocratique du Congo, en RDC, précisément dans une des provinces, comme vous aviez souligné, que c'est vraiment un pays continent. Alors, j'avais la préoccupation, les petits commentaires, c'était par rapport à l'importance, mais en me basant beaucoup plus à ce que vous avez souligné, ce que nous avons la plupart du temps, ce que nous connaissons comme les pertes potentielles qui sont dites en rapport avec les bénéfices thérapeutiques généralement que nous avons dans nos pays. Je voulais, moi, peut-être noter que parmi les 8 éléments que vous avez cités, pour moi, je trouve que la place des acteurs qui sont qualifiés est très, très, très importante. Et étant donné que, si je cite par exemple l'un des exemples, quand on parle par exemple du manque de sélection, je sais qu'il y a d'autres intervenants, d'autres acteurs qui interviennent dans la sélection des médicaments à utiliser, entre autres les prestataires, les médecins, mais les pharmaciens doivent être là. Il y a par exemple pour la quantification, il faut des gens, on ne peut pas improviser des gens pour faire la quantification des produits pharmaceutiques. Là aussi, je note qu'on doit avoir vraiment des personnels qualifiés. Il y a par exemple l'autre élément par rapport à la qualité. Donc, tout ça, c'est aussi un élément qui fait intervenir les pharmaciens dans la chaîne d'approvisionnement. Bien sûr qu'il peut intervenir en amont dans les contrôles qualité, même quand il faut faire entrer les produits dans une province ou dans un pays.
il y a des problèmes d'entreposage qui font intervenir également les mêmes personnels comme acteurs principaux, à part peut-être les vols et la corruption, quand on sait aussi que souvent les acteurs qui ne sont pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette connaissance par rapport à l'importance des médicaments, c'est ceux-là qui volent. Donc, ils peuvent être en train de gérer, mais ils volent les médicaments qui sont censés être utilisés par les bénéficiaires, les malades, qui sont au sein soit de la structure dans laquelle la personne travaille. C'est comme ça que moi, j'ai dit, malheureusement, il est vrai que on ne connaît pas tellement que dans les systèmes, là, j'ai dit aussi pour mon pays, la RD Congo, tellement que dans les systèmes, on sait qu'il y a des personnes qui ne comprennent, jusque-là, ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire la chaîne d'approvisionnement. Ils savent peut-être que les médicaments sont importants, mais ils ne savent pas tous les contours par rapport au segment, tout ce que vous avez cité par rapport pour que les médicaments soient là et les médicaments soient utilisés. C'est comme ça que moi, j'irai dans le sens, peut-être nous qui sommes au niveau des provinces, qui sont dans les pays, c'est pas, s'il peut y avoir d'autres mécanismes pour non seulement sensibiliser nos chefs, hein, nous les faisons à notre niveau, mais aussi même au niveau des gouvernements provinciaux, pour que les gens comprennent. Parce que vous aviez aussi cité qu'en principe, les gouvernements des différents pays doivent contribuer pour que la population ait accès aux médicaments. Pour la contribution, là je vois, en termes de finances pour acheter les médicaments dont le pays peut avoir besoin, ouais, dont la population peut avoir besoin. Mais là, on sait, oui. Ça, là, on sent aussi qu'il y a des soucis. C'est comme ça que peut-être si on allait dans ces propositions, on sensibilisait localement et puis aller par la suite dans les organisations sous-régionales, je pense que ça pourrait apporter des fruits. Donc, c'est ça ce que je voulais comme petit commentaire par rapport à ce premier module. Encore une fois, je vous remercie. Je dis grand merci. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que dans nos pays, il y a quelque chose qui nous manque, que nous ne faisons pas suffisamment ou que nous n'avons pas encore fait, c'est l'évaluation des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement. Cette activité est très importante, il faut la faire pour pouvoir identifier les gaps, pour que faire un plan qui va constituer un document de plaidoyer. Chez nous, en RDC, je crois que j'ai sorti un adage. Après avoir fait une petite évaluation en 2019, nous avons commencé à dire les médicaments, on s'en occupe ou on ne s'en occupe pas. Donc, si vous vous occupez de médicaments, vous ne devez vous occuper que de ça. Mais vous ne pouvez pas vous occuper de médicaments aussi. Et ça, c'est un élément très important. Souvent, par manque du personnel qualifié, eh bien, on cherche quelqu'un, on dit, bon, écoutez, vous avez vos tâches, bon, vous allez vous occuper aussi du volet médicament. En termes de comparaison d'informations, par exemple, si, pour ce qui est le SNIS, le système d'information sanitaire, si les informations sanitaires, généralement, sont communiquées à la fin de chaque mois avec une fréquence mensuelle, nous ne disons que pour les médicaments, afin d'empêcher les ruptures de stock ou de les réduire, il faut que les informations soient partagées chaque jour. Sinon, à quoi ça sert de savoir à la fin du mois qu'il y a une rupture de stock au début du mois? On est en retard. Les patients n'ont pas de médicaments. Donc, les ressources humaines sont capitales et importantes. Il est très important d'avoir des éléments documentés. Il faut démontrer que nous manquons tel type de ressources à tel endroit pour atteindre les résultats. Il faut faire beaucoup d'études. Il faut démontrer, par exemple, que les ruptures de stock que nous avons aujourd'hui sont liées au fait que nous n'avons pas de personnes idoines à la place qu'il faut. Mais il faut des études pour pouvoir y arriver. Voilà. Merci pour c'était un commentaire. J'avais vu la main de... tout à l'heure de... en tout cas, la main est partie. Il y avait un collègue qui avait levé la main. Malheureusement, j'ai pas mis le nom. S'il est toujours là, il peut prendre la parole. Hein. OK.
Est-ce que moi je peux poser une j'avais posé de questions dans la présentation. OK, Joël, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je suis docteur Joël, je suis en RDC aussi. Je suis à Kinshasa précisément. Je venais de commencer et je venais de terminer le premier module. Bon, je suis en train de me préparer pour l'évaluation, mais je prouve certaines difficultés, notamment celles du titre de médicaments essentiels. Je me dis pourquoi, comme on nous demande de lire sur les médicaments essentiels publiés par l'OMS, pourquoi quand le module commence, on n'introduit pas, par exemple, nous donner un fichier PDF sur ces médicaments publiés récemment. Parce que je fais des recherches, je n'ai trouvé que la publication est 2011. J'aimerais aussi qu'on insère ce concept-là, ce PDF-là, qui va aussi nous aider. Hein? Et, l'autre problème que j'avais, c'était par rapport au. Je pose la question à la fin, quand vous utilisez tous les modules, les diplômes, on vous envoie sous forme PDF ou comment ça se passe? Et le dernier souci, c'est par rapport. Ça va venir. C'est par rapport à quoi? Le dernier souci. Bon, le dernier souci, c'était par rapport à l'évaluation. Disons, quand vous faites l'évaluation, est-ce qu'il y a encore possibilité de le refaire si vous pensez que vous pouvez faire mieux ou comment? Donc, ce sont là les soucis que j'avais à poser. OK, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la liste modèle de l'OMS, normalement, si vous entrez dans le site de l'OMS, vous allez trouver tous les modèles de liste que l'OMS publie. Je sais que la dernière version, si ma mémoire est bonne, remonte à 2019, justement avec une liste d'ailleurs de produits, de médicaments pédiatriques et même des dispositifs médicaux, si ma mémoire est bonne. Donc, recherchez bien. Dans le site de l'OMS, là, vous pouvez y entrer sans problème. Vous entrez dans le site de l'OMS, vous allez dans la bibliothèque, vous allez trouver, en tout cas, la documentation. En tout cas, vous pouvez le trouver, y compris les listes modèles, les dernières versions. En tout cas, il y en a. Pour la deuxième question concernant les diplômes, après avoir terminé tous les cours, modules, les études de cas, ainsi que la dissertation, eh bien, on vous programmera, vous recevrez d'abord ce diplôme-là sous forme de PDF, mais vous recevrez encore le kit. J'ai encore les diplômes de collègues que j'ai ici, que je vous montre. Voilà, vous recevrez. Donc, dedans, il y a justement le diplôme, il y a celui d'Empower et celui de l'université donc, de Kent, des États-Unis, et plus... un petit affiche d'Empower, ainsi de suite. Donc, le diplôme, il est là, vous le recevrez par... ici, nous avions donné l'adresse pour des collègues de la RDC, pour la cohorte qui est passée. J'avais donné l'adresse de mon service, de mon programme. Donc, tous les diplômes sont arrivés par mon programme et nous sommes en train de les envoyer, particulièrement ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Pour l'évaluation, oui, je pense que c'est possible de refaire l'évaluation. Mais encore une fois, si vous l'avez fait et que vous pensez que vous pouvez refaire, envoyez toujours un message à Dr Sondé. Hein, Dr Sondé, vous envoyez son mail, vous me copiez, vous copiez aussi Dr Denis. On pourra vous donner justement la conduite à tenir, de comment est-ce qu'il faut procéder. Mais cela, je sais que cela est tout à fait possible. Merci Joël.
Est-ce qu'il y a une autre, d'autres questions ou des commentaires? Merci beaucoup, je suis content de votre réponse. Donc, je suis un débutant, je voulais juste poser ces questions, mais je suis content. J'ai commencé les cours dans la chaîne d'approvisionnement, je suis en train d'apprendre certaines choses que je ne maîtrisais pas et qui vont aussi m'aider durant ma carrière médicale, étant médecin et étant aussi demain, si Dieu le veut, spécialiste en chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour vous accompagner et permettre justement qu'il y ait, c'est notre rêve, d'avoir en Afrique beaucoup d'experts en chaîne d'approvisionnement. Parce que vous savez, dans les universités, moi j'ai quitté l'université il y a très longtemps, mais nous avons eu tout simplement le cours de gestion de médicaments, pas la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est maintenant que ces cours-là commencent à entrer progressivement. Et c'est très important de les avoir parce qu'on a une vue globale de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et ça permet vraiment de comprendre les problèmes et de trouver des stratégies pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, j'ai regardé dans le chat aussi. Donc, j'ai vu plus de commentaires. Merci, docteur Thierry Césaire. Nous avons il y a eu des collègues de Haïti, du Togo, du Bénin, du Cameroun. Donc, merci beaucoup. Du Tchad aussi, tous. Hein? Ah, du Tchad, bien sûr, du Tchad. Docteur, on attend votre question. Vous avez dit que vous allez nous poser une question, non? On attend, vous dites merci. Ah, merci, déjà. Voilà. Ah, il faut poser, on va voir. Voilà, poser. Dans la présentation. Merci. Dans la présentation, il y a une diapo qui reprend quelques questions pour lesquelles j'ai demandé que vous puissiez voir si ces informations sont disponibles. Si elles sont disponibles, vous pouvez, à travers le mail qui nous a réunis ici, donc que Aman a envoyé, vous pouvez nous partager toutes ces informations et indiquer comment vous avez pu les avoir. C'est ça aussi l'apprentissage. Ces questions sont les suivantes. Quelles sont les dépenses publiques de médicaments dans votre pays? Donc, ça signifie qu'il faut aller regarder dans le budget du gouvernement, le budget concernant les ministères de la Santé. Est-ce qu'il y a une rubrique concernant l'achat de médicaments par le gouvernement? Ça, c'est la première information. La deuxième information, nous aimerions savoir sur ce budget qui avait été promulgué, qui avait été décidé par le gouvernement, on peut prendre pour l'année 2021, quelle est la proportion qui a été décaissée effectivement pour l'achat de médicaments? Donc, si le budget était de, mettons, 5 millions, c'est un exemple, 5 millions d'euros, 5 millions de francs CFA, 5 millions de francs congolais, je donne l'exemple, ou 5 millions de dollars, sur les 5 millions, combien ont été décaissés? Est-ce qu'on a décaissé 5 millions? On a décaissé 1 million, 2 millions ou 3 millions? La troisième question, lorsque vous aurez les montants effectivement décaissés pour l'achat de médicaments, divisez ce montant par le nombre d'habitants du pays. Si au Tchad, vous êtes 50 millions, prenez le montant décaissé par le gouvernement pour l'achat de médicaments divisé par le nombre d'habitants. Ensuite, si vous avez ce chiffre, veuillez le comparer maintenant aux 12 dollars que l'OMS demande que chaque pays doit avoir au minimum pour l'achat de médicaments par habitant. Nous vous demandons de faire cet exercice. Le prochain webinaire, même s'il aura une autre thématique, mais nous aimerions que quand vous serez là, vous puissiez nous partager ce que vous avez eu comme résultat et surtout, qu'est-ce que vous pensez à faire pour atteindre justement la référence que l'OMS a donnée. Voilà les questions. Donc, quand vous aurez la présentation, ces questions sont dans une des diapos que nous avons présentées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Oui, docteur, on va chercher, on va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. C'est très merci. Fier. On pourra trouver par pays. Même pour pas pour le Tchad, même là, moi, je peux chercher pour la RDC et trouver. Voilà, c'est très bien. Donc, ce que nous aimerions, c'est parce que cette information est capitale. Ouais. Si vous l'avez, il nous aide surtout à constituer un document de plaidoyer pour dire à nos gouvernants que les gens, quand les gens n'ont pas de médicaments, c'est parce qu'on n'a pas donné suffisamment d'argent. Donc, il ne faudra pas leur demander ça comme ça. Il faudra qu'il y ait des éléments factuels. Et les éléments factuels, c'est notamment cet exercice que je nous donne et j'espère bien que nous aurons de réponses. Dans la suite du mail qui vous a été partagé par Aman pour pouvoir participer à cette réunion, vous pouvez y répondre si vous avez ces informations pour que tout le monde puisse l'avoir et décrivez un peu la méthodologie que vous avez utilisée pour disposer, avoir ces données et dites-nous si vous avez des difficultés pour pouvoir les avoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et nous espérons que ça nous aura servi à quelque chose. Nous avons dépassé largement le temps imparti, mais nous pensons que c'était très utile et nous espérons que prochainement nous allons encore vous retrouver nombreux. Et bonjour chez vous. Et moi aujourd'hui j'ai fait l'indépendance de mon pays et comme certainement vous avez suivi, nous avons eu aussi la joie de voir le reste de notre héros national Patrice Emery Lumumba que vous connaissez aussi très bien, eh bien ces restes sont arrivés, donc c'est aujourd'hui qu'on l'enterre de manière officielle. Donc voilà ce que nous tenions à vous partager en dehors de cette session de webinaire que nous venons de suivre. Merci donc à tous. Docteur, une dernière merci. Question, vous mettez l'indépendance, est-ce que vous avez l'indépendance sanitaire? Une dernière question. Malheureusement on n'a pas encore l'indépendance sanitaire. Merci, docteur. Voilà, vous avez posé la question, mais je vous assure qu'elle m'avait été posée, je l'avais posée aux autorités, à certaines autorités à un moment donné. Je leur ai dit, en termes de médicaments, la RDC a besoin, chaque année, tous médicaments confondus, de 1,4 milliard de dollars de besoins. 1,4 milliard chaque année. Si nous voulons atteindre la couverture sanitaire universelle. Alors, j'ai vu les autorités hocher la tête pour dire « Ah, c'est un gros montant ». J'ai dit « Oui, si nous avons ce montant, nous serons indépendants ». Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Et merci beaucoup pour une très bonne présentation, docteur. Et bonne fête. Merci. OK, Aman, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci pour le support. Merci beaucoup pour votre support aussi. Je vous remercie pour ça. Et merci beaucoup à tous les participants pour rejoindre la session. On se voit dans la prochaine session. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Franck. C'était exceptionnel. Ah oui, je suis toujours là. J'ai écouté du début à la fin. Merci, Rosalie. Non, j'étais là. Merci. Alors, c'est okay. Tout ce que tu as dit, bon, il n'y a rien à ajouter. Quoi. C'était... J'aime bien comment tu racontes une histoire de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est tellement intéressant à écouter pour tout le monde. Merci. Que ce soit pour les spécialistes. Voilà. Merci. Oui, Rosalie. Il est une très bonne présentateur. Oui, c'est très bien. Ouais. Merci, Franck. On reste en contact. Merci, Rosalie. On reste en contact. Okay. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.